Bonsoir à tous, merci de nous recevoir, merci beaucoup. Merci pour nos invités, merci. Très gentil pour eux. Merci de les accueillir de cette façon. Et bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Qui peut prétendre n'avoir rien à cacher? Une zone trouble de son passé, un événement un peu compliqué, voire traumatisant, ou même la face sombre de sa personnalité. Tout le monde a un secret, qu'il soit petit ou grand, n'est-ce pas? Parler, expliquer, parler encore et toujours. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur les bienfaits de la parole. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de révéler la vérité à ses proches, à son père, à des gens qui sont très proches de soi, son frère, son fils, son conjoint, à ceux qu'on aime, la mission est difficile, pour ne pas dire parfois qu'elle nous semble impossible. Par manque de courage, par honte, par peur de faire du mal aussi. Nombre d'entre nous préfèrent se taire et vivre avec un poids sur la conscience. Mes invités savent exactement de quoi je parle. Mais pour combien de temps ? Mes invités aujourd'hui ont des histoires qui sont lourdes à porter sur le cœur, qu'ils ont dévoilées ou qu'ils vont dévoiler ce soir pour la première fois. Peut-être que vous avez un secret, vous aussi, comme dans beaucoup de familles, dans toutes les familles. Je vous demande d'accueillir chaleureusement mes invités de ce soir. Guillaume, bonsoir. Votre maman, vous avez 27 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Votre maman ne sait rien de ce que vous faites de vos journées, autant dire, ne sait rien de la façon dont vous gagnez votre vie. Oui, tout à fait. Rien de très grave, mais un secret que vous portez sur le cœur. Mais vous avez tenu quand même à lui dire la vérité dans un reportage devant nos caméras, qu'on va découvrir tout à l'heure dans cette émission. Oui, tout à fait. Vous aviez peur de quoi ? Bien, en fait, j'avais vraiment peur de sa réaction. Je ne savais pas comment elle allait réagir. Voilà quoi. Mais de son jugement ? Ah oui, son jugement et puis l'image qu'elle avait de moi. Voilà. Mais en fait, au final, ça s'est bien passé. On ne révèle pas tout, tout de suite, Guillaume. Je demande d'accueillir Gwenaëlle et Anaïs, qui sont deux sœurs. Je suis avec deux, bonjour à toutes les deux. Deux grandes filles de 33 et 30 ans, mesdames et mesdemoiselles. Pour vous, tout a basculé lorsque vous aviez respectivement 11 et 13 ans. Ça fait déjà un petit bout de temps et pourtant, c'est quelque chose que vous avez. Gros sur le cœur, vous avez fait une découverte bouleversante, on ne va pas dire laquelle tout de suite. Comment ont réagi les jeunes filles que vous étiez ? Vous aviez 11 et 13 ans à l'époque, quand elles l'ont appris. Vas-y. Difficilement, c'est vrai que apprendre ce qu'on a appris si jeune, c'est lourd à porter quand on est dans l'adolescence ou dans la construction. Dans la préadolescence. Voilà, dans l'enfance encore. Vous nous racontez comment la vérité a fini par éclater, comment les choses devaient se savoir un jour ou l'autre, comme le disait Racine. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec vos parents, notamment avec vos parents? Je vous demande d'accueillir Marie-Paul qui est avec nous. Bonjour Marie-Paul. Vous avez vécu... Marie-Paul, bonsoir. Vous êtes veuve aujourd'hui, mais vous avez vécu pendant de longues années avec Régis, votre mari, un vrai bonheur de couple, une vraie belle histoire d'amour. Vous avez eu trois enfants ensemble et vous pensiez que l'homme qui partageait votre vie depuis 24 ans n'avait plus rien à vous cacher. Non, absolument. Pour moi, il n'y avait rien qui ne pouvait... Rien ne devait être secret entre nous. J'ai découvert quelque chose vraiment d'anormal. Vous avez l'impression de découvrir un autre homme ? Ça n'était pas le même homme. Ça n'était plus le même homme. Alors que vous avez vécu 24 ans avec lui ? Oui, tout à fait. Vous nous direz quoi ? Jean-René et Aurélia sont avec nous aussi. Je vous ai vu beaucoup réagir, Jean-René, au début de cette émission. Le mari de madame a gardé 24 ans un secret que madame a appris tard, trop tard. Vous avez gardé combien de temps ce secret, le vôtre ? Très longtemps. 23 ans. Je l'ai caché de nombreuses années, oui. C'était quelque chose de... Vous êtes le père d'Aurélia qui est avec nous. Bonjour Aurélia. Bonsoir. Vous avez vécu donc pendant plus de 40 ans, jusqu'à vos 43 ans, avec un très lourd secret. Vous l'avez caché... une bonne partie de votre famille, et notamment Aurélia qui est ici avec nous ce soir. Quand ils ont appris les choses, la plus grande d'entre vous avait 23 ans, et vous, Aurélia, vous étiez une jeune fille aussi à l'époque. Oui, à peu près l'âge... De ces deux jeunes femmes. Oui. 13 ans. Oui. Des enfants qui ont pu grandir sans se douter de bien, votre secret. C'était bien caché. Bien caché. Je ne sais pas comment vous avez fait avec la complicité de votre femme, on le verra. Oui. Nous avons un témoin privilégié de ce soir qui est psychanalyste, qui est aussi écrivain, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, ça c'est bien. Et qui est également le prix d'électrice du magazine Elle, pour son livre intitulé « Un secret », paru en 2004 aux éditions Grasset, que vous avez peut-être lu, comme c'est mon cas. Claude Miller en a fait un film avec Cécile de France et Patrick Bruel, qui vient de sortir en DVD là ces jours-ci, qui est un très beau film. Je vous demande d'accueillir Philippe Grimbert qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Alors dans ce livre, vous racontez l'histoire d'un petit garçon qui découvre un secret de famille et qui décide aussi de le garder un peu pour lui. Est-ce que c'est un raccourci de dire que ce petit garçon, c'est vous ? Bien sûr, vous pouvez vous autoriser ce raccourci, oui. Ce petit garçon, c'est moi. Oui. Mais en même temps, je pense que si ce livre a eu un tel succès, a eu la chance d'avoir un tel succès, c'est parce qu'il raconte l'histoire d'un petit garçon qui a affaire à un secret qui influe sur sa destinée. Que ce soit moi, ajoute à l'anecdote, bien sûr. Mais je pense que chaque lecteur a pu s'y retrouver et c'est probablement ce qui a fait le succès de ce livre. Oui, c'est un petit garçon qui apprend quelque chose, qui le garde sur le cœur, qui grandit avec, comme les jeunes filles qui sont ici sur ce plateau. Oui, c'est-à-dire qu'on voit le poids que le secret peut avoir sur ce petit garçon au point de l'empêcher physiquement et psychiquement de grandir. Et en tout cas, vous, Philippe, vous en avez fait un livre, qui est un film aujourd'hui, un DVD pour ceux qui voudraient le voir. À l'époque, quand vous avez appris la vérité, on va dévoiler les secrets tout au long de cette émission pour se rendre compte de quel secret il s'agit, de comment vous les avez vécus. Mais dites-nous, quel était ce secret que vous avez appris ? Écoutez, il s'agissait d'un double secret à la fois sur mes origines, dont je n'avais pas conscience et dont on ne parlait pas à la maison, origine juive, qui évidemment... à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, était dans certaines familles quelque chose qui a été complètement caché pour que les enfants ne subissent pas éventuellement le retour de la foudre au même endroit. Et puis, un secret, je dirais, qui reposait sur la culpabilité de mes parents quant à la naissance de leur histoire d'amour qui s'est faite dans des conditions extrêmement dramatiques dans cette période-là, qui a fait d'une petite histoire un grand drame. Précisez, Philippe, pour tous ceux qui n'ont pas lu, qui n'ont pas vu encore, je pense que c'est pas grave, ça ne cache en rien le... Voilà, voilà. Mais de toute façon, ce livre n'est pas un livre de suspense. Non, voilà ce que je veux dire. D'un secret. Disons que mon père, que j'ai appelé Maxime dans le livre, était marié avec une Anna et avait eu un fils avec elle. Et tous deux sont partis dans les camps. Ils sont morts à Auschwitz. Je dirais d'une certaine façon, par conséquence d'une histoire d'amour extrêmement passionnelle entre mon père et sa belle-sœur, qui est devenue ma mère. C'est clair, mademoiselle, ça n'a pas l'air de l'être. Posez vos questions directement. Entre votre père et sa belle-sœur, j'ai pas compris. On pourrait dire très simplement qu'un beau-frère et une belle-sœur se sont aimés d'une passion folle, voilà. Et que cette passion folle a grandi sur la mort, évidemment, d'une femme et d'un enfant qui sont partis à Auschwitz, disons, suite à un acte, en tout cas que je rends dans le livre, volontaire de la part de cette femme qui part à Auschwitz. Je vous remercie d'être avec nous. N'hésitez pas à poser des questions à nos invités. Hein. Nous allons découvrir dans un instant, dans quelques toutes petites minutes, votre histoire, Marie. Mais avant cela, je vais vous demander d'accueillir Virginie. Pendant 40 ans, la maman de Virginie lui a caché sa véritable histoire. Aujourd'hui, Virginie sait. Elle est devenue à son tour gardienne de ce secret, car tout le monde ne sait pas dans sa famille, encore un secret en famille, il y en a tellement. Elle voudrait s'en libérer et pouvoir dire la vérité, mais Virginie se trouve face à un dilemme. Le dire, c'est peut-être aussi prendre le risque de blesser quelqu'un. La question, c'est, est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Chacun peut être une idée sur cette question. Mais est-ce que toute vérité est bonne à entendre ? C'est pas toujours aussi facile que ça. Je vous demande d'accueillir Virginie. Bienvenue, Virginie. Vous êtes la bienvenue. Vous avez 41 ans aujourd'hui. Le secret que vous avez appris, c'est tout récent, finalement. Vous aviez quel âge ? J'avais 40 ans, pas tout à fait 40 ans, à la veille de mes 40 ans. C'est un âge charnière, hein, comme par hasard. Peut-être. En l'espace de quelques minutes, on peut dire que votre vie a basculé. Votre mère vous a révélé une information qui touche à votre identité. C'est souvent le jour des anniversaires. Qui a eu un secret qui lui a été appris, le mari ? Et vous, la veille de vos 40 ans. C'est votre maman qui vous l'a dit. Depuis cette révélation, comment vous supportez de devoir vivre avec un tel secret sur les épaules ? Ben, il y a eu plusieurs périodes. Tout d'abord une période d'euphorie où j'étais très, très libérée de cette nouvelle. Ensuite une période de dépression. Et maintenant j'ai encore le poids de l'histoire qui me pèse parce que c'est une histoire qui n'est pas terminée. Vous êtes contente de savoir la vérité ? Oui, j'avais besoin. Ah oui. Est-ce que votre mère vous soutient dans votre démarche, maintenant qu'elle vous l'a dit, de vouloir à votre tour dire toute la vérité, y compris à la première personne concernée ? Absolument pas, elle est dans le déni. Elle n'accepte pas que je veuille le dire à la personne. Elle ne veut pas le dire elle-même. Je ne suis pas du tout soutenue. Vous avez besoin de le dire, vous, aujourd'hui ? Oui, pour briser ce secret qui existe toujours. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission de ce soir face à nos invités qui ont eu affaire à ces révélations avant vous ? Ben, peut-être d'avoir leur avis sur mon histoire. Savoir si les invités auraient envie de le dire ou pas. Est-ce que c'est à moi de le dire ? Ou est-ce que c'est à elle ? Est-ce que c'est à elle ? Votre mère ? Oui.
Peut-être que Philippe aussi pourrait nous donner son éclairage de psychanalyste. Il n'est pas seulement écrivain, hein, son métier c'est avant tout psychanalyste. Et tous nos invités qui ont vécu des histoires et qui leur donnent le pouvoir de pouvoir, si j'ose dire, donner leur avis sur des histoires aussi touchantes. Je demande d'accueillir Marie qui est avec nous. Marie a 19 ans. 19. Tout comme l'homme que nous évoquons avec Virginie, tout comme cet homme qui ne sait pas encore, vous étiez vous la seule à ne pas savoir jusqu'à l'anniversaire de vos 13 ans. Le jour de votre anniversaire? Le jour de mon anniversaire, effectivement, oui. Bon anniversaire, si j'ose dire. Le jour où votre mère vous a fait une révélation, vous nous direz quelle révélation, quelle était votre toute première réaction à l'âge de 13 ans? Je suis tombée dans les pommes. Vous êtes évanouie? Oui, je me suis évanouie, oui. Votre mère, elle-même, n'a eu la révélation de ce secret que 5 années plus tôt, quand vous aviez 8 ans, donc 5 ans qu'elle le portait sur ses épaules. Ouais. Elle a peut-être imaginé qu'à 13 ans, vous étiez assez grande pour le savoir, l'étiez-vous? Ça, c'est difficile à savoir. Je pourrais pas vous répondre, je ne sais pas moi-même, en fait. Dans le reportage que nous vous avons consacré, qu'on va voir d'ici quelques secondes, vous allez faire beaucoup de découvertes dans ce reportage, pour ne pas dire dans cette aventure. Qui avez-vous rencontré dans ce reportage que vous n'aviez pas vu depuis plus de 10 ans? Ma sœur. Depuis combien de temps? J'avais pas vu ma sœur depuis 12 ans. Quel visage avez-vous pu découvrir pour la première fois dans ce reportage? Mon frère. Que vous n'avez donc jamais vu? Jamais vu. Voilà donc ces moments de vérité avec le sourire de Marie chez elle, chez vous, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est un reportage de Sylvie Bidel et de Jean-René Chaperon. Le papa de Marie est mort quand elle avait 8 ans. De lui, elle garde le souvenir d'un père aimant et attentionné. Mais il y a 5 ans, la vie de la jeune fille bascule à cause d'une lettre de sa demi-sœur. Jusque-là, Marie pensait que son père n'avait eu que 2 filles, mais elle se trompait. Mon père avait déjà un fils, plus âgé que moi. Et mon père m'avait interdit de le lui dire. Et quand il est décédé, j'ai décidé que ça s'arrêtait là. Et mon père avait 3 enfants et on n'avait pas à avoir honte d'exister. Du coup, Ophélie, la grande sœur, décide d'écrire une lettre et de révéler la vérité à sa petite sœur Marie. Tu dois savoir aujourd'hui que papa a un fils. Il s'appelle Fabrice. C'est mon demi-frère et donc celui de Marie. Voilà ce que je devrais te dire, sinon t'apprendre. J'espère que tu ne m'en veux pas. J'ai eu connaissance de cette lettre le jour de mes 13 ans, en fait. Quand ma mère me l'a donnée. Donc voilà. C'est un choc. C'est un gros, gros choc. C'est comme si toute votre vie, vous avez été trahie, pratiquement. C'est la mère de Marie qui a reçu cette lettre en premier. Elle a attendu 5 ans avant de la lui faire lire. Marie lui en veut d'avoir gardé à son tour le secret pour elle. Pourquoi papa il l'a caché? Depuis, leur relation est plutôt tendue. Pourquoi t'as mis aussi longtemps à me montrer cette lettre? Cette lettre, je te l'ai montrée. T'avais quel âge, Marie? J'avais 13 ans. Oui, mais... Et ma maman, papa il est mort, j'avais 8 ans. Mais tu crois que tu... J'avais un frère et tu me l'as caché pendant 5 ans. T'avais pas le droit de me le cacher. Je te dis, je ne te l'ai pas caché, c'est parce que je jugeais que tu étais trop jeune. La manière dont Marie, elle parle, de toute façon, c'est un peu normal. Il n'y a plus que moi. C'est moi qui prends tout en pleine figure. Tu crois que c'est pas difficile pour moi aussi de savoir que j'ai vécu pendant 16 ans avec quelqu'un qui m'a caché qu'il avait un fils? T'as été victime d'un secret et moi j'ai été victime de vous deux, quoi. Donc maintenant, les questions, j'aimerais bien en avoir des réponses parce que ça commence à me peser gros sur la patate, quoi. Là, ça commence un peu à faire trop. Pour retrouver ce frère caché, Marie est prête à remuer ciel et terre. Première étape, renouer avec Ophélie, sa demi-sœur, auteur de la lettre. Marie l'a perdue de vue depuis bientôt 12 ans. Il y a 48 heures à peine, Marie a retrouvé sa trace sur Internet. Une immense victoire, car retrouver sa sœur, c'est peut-être aussi retrouver son frère caché. Au début, ça fait un choc. Quand j'ai vu son nom décrit dessus, j'ai pris peur et j'ai tout fermé, en fait. Ça m'a fait vraiment peur et j'ai tout fermé. J'ai entrepris tellement de démarches que la retrouver sur Internet, pour moi, c'était inconcevable, quoi.
Immédiatement après l'avoir retrouvée, Marie a contacté sa sœur par téléphone. Et aujourd'hui, ce n'est que la deuxième fois qu'elles se parlent. Marie n'est pas au bout de ses surprises. C'est ta petite sœur, tu l'as reconnue ? Oui. Alors, je sais pas trop quoi dire en fait. Je suis un peu émue. T'as envie pour toi ? Ouais, énormément. Tu veux me voir rapidement, très vite, ou t'es pas pressé ? Très vite. Très vite ? Bon, je vais pouvoir t'arranger ça. Je ne sais pas si du sapin parce que c'est pas la saison. Mais on va dire demain c'est Noël. Tu veux tout savoir, tu vas tout savoir. Bah oui, je veux tout savoir. C'est... D'accord. Bon, ben, je te dis à demain. À demain. Ça marche. Bien. Merci, toi aussi. Je pensais que j'allais la voir, mais peut-être pas aussi vite, en fait. Ça fait que 2 jours que je l'ai retrouvée, et savoir que 4 jours après, je vais la revoir, c'est surprenant. C'est très inattendu. Elle m'a dit qu'elle savait pourquoi mon père avait menti et pourquoi il avait caché l'existence de mon frère, donc je veux enfin savoir la vérité. Si les deux sœurs ne se sont pas vues depuis si longtemps, c'est parce qu'Ophélie, la grande, s'était fâchée avec leur père quand Marie était encore très jeune. Elle a beaucoup souffert d'être séparée de sa petite sœur. À moins d'une heure de leur retrouvaille, Ophélie est émue. Normalement, elle a son frère jumeau. C'est un peu mon petit lien avec elle aussi, que j'avais toujours avec moi. Il m'a suivi dans tous mes déménagements. Je sais pas si elle va me reconnaître, je sais pas si moi je vais la reconnaître, si on va avoir un... on va jeter l'une vers l'autre, ou si on va rester un peu sur la réserve, je sais pas. Me retrouver, c'est... je suis sûre que ça lui tient à cœur, et... mais je suis presque plus un instrument dans sa quête que le but de sa quête. Le but de sa quête, c'est Fabrice, puisque c'est lui qu'on lui a toujours caché, pas moi. Ces retrouvailles aujourd'hui, ça signifie la fin d'un calvaire de 10 ans. Et puis des réponses à mes questions, retrouver une partie de moi-même. When you're lost and you're lonely. Ophélie ? And your only way is up. C'est toi. When you are there. Ça va? Ça va. Ça va. Je commence à ma façon de sérieux. J'étais. Je m'appuie un peu, tu m'en rebases et. Non, je t'en prie. Souffle un bon coup. T'as toujours les mêmes yeux. Oui. Et le même sourire. Vrai. Ça n'a pas changé. C'est gentil. Passé l'émotion des retrouvailles, il est temps à présent pour Marie de connaître la vérité. D'accord. Quand tu es née, on était tous super heureux. Moi, j'étais contente. En réalité, leur père était brouillé avec son fils. Du coup, il ne voyait pas l'utilité d'en parler à Marie et a décidé de lui cacher son existence. Il me dit, non, mais de toute façon, ton frère, il cherche pas à me revoir. La dernière fois qu'on s'est vu, ça s'est mal passé, donc de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. J'ai dit, c'est quand même important qu'elle le sache au moins. Je veux dire, tu vois pas, après, c'est vous que ça regarde, quoi. Mais lui, non, de toute façon, ça la concerne pas. C'est pas nécessaire. Bon. D'accord, ok. Donc en fait, oui. Toute cette merde, ça s'est construit autour d'une dispute entre un père et un fils, c'est ça? Ouais. D'accord. Mais surtout le fait que papa, quand il change de vie, change de vie. J'avais eu beaucoup d'idéal en fait dans papa, donc ça fait un peu bizarre d'apprendre tout ça en fait. Ouais. Comme l'espérait Marie, sa sœur est en contact avec leur frère Fabrice. Ophélie va enfin pouvoir permettre à sa sœur de mettre un visage sur ce secret si bien gardé. Oh là 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 là. C'est ton frère. C'est impressionnant. Il ressemble bien à papa. Là, il ressemble plus à papa et tu vois bien qu'il a déjà les cheveux plus grisonnants. Ouais, ouais, et puis il a le même nez, les yeux, c'est pareil, quoi. Enfin, il a pas les mêmes couleurs, mais sinon, c'est la même forme. Ça fait bizarre parce que... il ressemble beaucoup à mon père, quand même. Donc, moi, des photos que j'ai vues de mon papa et des souvenirs que j'ai dans ma tête, ouais, il a le même visage, quoi. Sur la prochaine, ouais. On fera la même. Ouais. Mais il y aura toi d'un côté, moi de l'autre. Ouais. Et là, on y sera tous. Avec plaisir. Pour Marie, ultime étape de cette journée riche en émotions.
nouer enfin un premier contact avec son frère. Pour la première fois de leur vie, frères et sœurs vont enfin être réunis. Dis-moi, je peux te passer quelqu'un qui a envie de te parler ? Oui, bien sûr. Eh ben voilà, c'est parti, quitte pas. Allô ? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est ta plus petite sœur. D'accord, Marie. Oui, c'est ça. Voilà. Tu m'as vu en photo ? Ah ben bien sûr. Je suis moche, hein. Non, pas du tout. Est-ce que je ressemble à mon père, à notre père ? Oui, énormément. Ah, merde. Je te l'avais déjà dit, hein. De toute façon, il faudrait qu'on se voit. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ça va être nouveau pour nous. Bah, on va essayer de former une vraie famille pour une fois. Bah oui, bien sûr. Y'a pas de problème. Salut, Salut. Salut. Ma belle. Une grosse semaine, hein ? Ça fait une grosse semaine quand même, non ? Oui, très grosse, oui, effectivement. Ça fait une belle semaine, comme ça, des semaines comme ça, on n'en a pas souvent dans notre vie. Hein. Non, c'est vrai, mais c'est très fatigant. Hein. Faut réussir à tout canaliser. Ça fait plein d'émotions très contradictoires en même temps. C'est-à-dire ? Bah, en même temps, vous avez peur, en même temps, se dire que vous avez un frère de 46 ans, que vous ne l'avez jamais vu. Vous savez pas trop comment il va réagir, donc quand vous l'avez au téléphone et qu'il vous dit « Salut petite sœur, ça va ?» comme si on s'était toujours connus, ça fait super plaisir, quoi. C'est bizarre, mais c'est comme si on s'était toujours connus. Vous aviez peur qu'il vous rejette ? Ouais, ouais. C'était ma plus grande peur, que mon frère et ma sœur me rejettent. Je demande d'accueillir Ophélie, c'est son nom. Bonjour Ophélie, bienvenue parmi nous. Vous avez votre voisine qui se demande s'il faut, dire toujours toute la vérité. Ouais, je vais échanger un regard avec votre sœur. C'est un regard d'encouragement. Oui. Oui, un petit peu, ouais. Donc, se revoir 12 ans après, vous avez été séparés à cause d'un secret. Quel effet ça fait d'être enfin réunis, vous qui avez toujours su ? J'ai toujours été convaincue qu'elle finirait par me rechercher. C'est un acquis. Comme moi, j'avais recherché mon frère, puisqu'en fait, nos histoires sont similaires. À la différence près que moi, je l'ai vue petite, je l'ai suivie, je l'ai accompagnée jusqu'à ce qu'elle ait 7 ans, jusqu'à ce que ses parents déménagent dans le sud. Ses parents, vous dites ? Oui, parce que je considère qu'on est trois enfants, certes, du même père, mais on a chacun une enfance qui nous est propre, puisqu'on a chacun été élevés comme des enfants uniques, jusqu'à ce que notre père nous quitte, d'une façon ou d'une autre. Moi, quand il est parti vers une autre histoire, mon frère la même, et Marie, quand malheureusement il est décédé. Donc. Donc ses parents. Ses parents. Que pensez-vous du choix de votre père, le fait qu'il ne dise pas les choses, qu'il scinde sa vie en morceaux comme ça ? Il y a des gens comme ça dans la vie qui scindent, lâchent. Puisque pour moi, il a fait des choix de vie, il a changé de vie. Et à chaque fois qu'il crée une nouvelle histoire, il s'est créé une nouvelle vie dont on, le passé, c'est le passé. Comme s'il effaçait, il voulait effacer l'ancienne. Je veux dire que c'est un bâtisseur, donc il construit des choses. Une fois que c'est construit, c'est là, c'est fait, c'est plus... Enfin, je le pense comme ça, hein. Il fallait bien que je trouve un... Que je le qualifie d'une certaine façon. Donc... Un bâtisseur, c'est pas un démolisseur. Enfin, je... Ah, mais il a jamais une très jolie image, donc je veux pas... Non. Il a pas volontairement cassé des choses. Il a pas fait en sorte qu'on se fâche. Il met de la distance. Il passe à autre chose. Il passe à autre chose, tout à fait. Tourne une page. À une autre femme, en l'occurrence. Oui. Marie, on a vu dans le reportage que les relations avec votre mère, aujourd'hui, sont compliquées. Extrêmement compliquées, effectivement, oui. Elle n'a pas voulu venir à l'émission. Non. Vous comprenez qu'elle ait voulu vous protéger quand vous aviez seulement 8 ans de ce qu'elle avait appris, elle ? Je comprends, mais je ne l'admets absolument pas. J'arrive à comprendre pourquoi elle a fait ça, mais l'admettre pour moi qu'elle m'ait menti pendant 5 ans sur le fait que j'avais un frère, je ne l'admets absolument pas. Même si vous aviez entre 8 et 13 ans, si vous étiez une petite fille comme ça ? J'étais certes une petite fille, mais c'était mon frère. C'est mon sang, c'est mon frère. Elle n'avait pas le droit de me le cacher. Donc. Vous comprenez ça, Anaïs et Gonaël ? Moi, je me dis, c'est pas quelque chose de grave en soi, le secret que tu as eu.
enfin, qu'on t'a fait. C'est quelque chose de lourd à porter, en fait. Mais en même temps, c'était, enfin, si tu l'avais appris, ça aurait été que du plus, quoi. Oui, ça, il n'y avait rien de grave à l'apprendre à 8 ans. C'était quelque chose, c'était que du bonheur, que... À 13 ans, pourquoi elle décide de vous le dire, alors? En fait, on s'est disputé. Et moi, j'ai toujours beaucoup idéalisé mon père. Pour moi, mon père, c'était mon père. Et ça l'est toujours aujourd'hui, quoi qu'il ait pu faire. Et mon père est venu sur le tapis. Et elle m'a répondu que, de toute façon, mon père avait fait des choix de vie. Et elle m'a balancé la lettre de ma sœur en pleine figure. Elle m'a dit, maintenant, tu montes dans ta chambre. Et quand tu l'auras lu, tu redescendras. Donc, je l'ai lu, je suis tombée dans les pommes. Et puis, je suis jamais redescendue, en fait. Déjà qu'avant, ça n'allait pas, mais alors là, c'était fini. Les liens, ils n'en ont plus du tout. Maintenant, il n'y a aucun lien entre moi et ma mère. C'est dur, ça. Hein. Ouais. Ça a dû être dur pour elle, quand même, de vous élever aussi. Je veux dire, de vous cacher des choses, de garder un secret sur son cœur, d'essayer de vous protéger. Ça a peut-être été dur pour elle, mais moi, les années de calvaire que j'ai vécues après mes 13 ans, je ne les oublierai jamais. Parce qu'elle vous avait caché quelque chose entre 8 et 13 ans? Ouais, parce qu'elle m'avait caché l'existence de mon frère. Après, j'ai dû prendre des somnifères pour dormir. J'ai eu un traitement parce que... Qu'est-ce qui vous empêchait de dormir? Quelles images? Pas d'images, mais des questions qui reviennent sans cesse dans votre tête. Pourquoi il l'a jamais dit? Qu'est-ce qu'il a à se reprocher? Voilà. Quand on ne sait pas, on s'imagine souvent le pire. Qu'est-ce que vous imaginiez, vous? Le pire, peut-être pas, mais j'avais toujours peur que si un jour j'essaye de les retrouver, ils ne veulent plus jamais me voir. De peur que ma mère ait fait quelque chose de travers ou que mon père ait dit des choses complètement absurdes. Là, vous en voulez à votre mère. C'était compliqué déjà avec elle avant. Vous dites que c'est devenu encore plus compliqué encore plus avec elle après. Ouais. Et à votre père, vous ne lui en voulez pas? Si, je lui en veux. Je lui en veux parce que, quelque part, il a fait souffrir ma mère aussi parce qu'il a quand même vécu 16 ans avec elle sans jamais lui dire qu'il avait un fils. Ça doit être difficile à assumer aussi. Je lui en veux, mais ça reste quand même mon père. Il m'a toujours bien élevée. Il a toujours été présent, même en étant malade. Mais le père parfait, l'image du père parfait que vous aviez, elle a été gratinée ou pas par cette révélation? Il n'a jamais été parfait, parce que tout le monde fait des erreurs, mais... Mon père restera mon père. Certes, il a fait des erreurs, tout le monde en fait, hein. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle est quand même assez énorme. Mmh. Donc oui, je lui en veux quand même un petit peu. On sent que vous l'aimez, quoi. Oui, mon père est mon père. J'ai l'impression, madame, que votre mari, je vois vraiment avec un visage dur. Je me dis, oulala, quand elle va sortir son histoire, vous allez vous soulager, j'espère, parce que c'est l'air d'en avoir gros sur le cœur. Je vais écouter ça avec beaucoup de distance. De voir que cette jeune fille, par exemple, met plus haut son père que sa maman aujourd'hui, comment vous réagissez à ça? Je réagis un petit peu mal parce que même si sa maman a caché son histoire pendant un bon bout de temps, le papa vaut autant que la maman. Je pense qu'elle, si elle l'a caché à sa fille, c'est qu'elle avait vraiment un intérêt et peut-être même pour la protéger un bon moment. Et là, elle la sentait peut-être un petit peu trop fragile pour lui dire tout de suite. Mais on dit mensonge par omission, ça peut être mensonge par protection. Tout à fait. C'est pas ça. Bon... Oui, peut-être, mais bon... Si on est tous là pour écouter et raconter son histoire, c'est aussi pour mieux comprendre la sienne en écoutant celle des autres, hein, non? Tout à fait, oui. Pour moi, c'était de la protection. Parce que j'ai l'impression que sa maman, elle a voulu la protéger à un certain moment. Bon, ce qui est regrettable, c'est que la fratrie, elle se soit dispersée et qu'il y a des choses qui ont coupé, des moments d'enfance, des moments... qu'ils auraient pu partager ensemble. Mais à mon avis, que sa maman était trop faible pour lui dire ou elle l'a protégée. Il ne savait pas comment le dire. Il vous arrive de penser que votre mari était trop faible pour vous dire ce qu'il avait sur le cœur et qu'il ne vous a pas dit en 24 ans? Il m'arrive de le penser et je pense aussi qu'il l'a peut-être fait par amour. Pourtant, vous avez dit que vous lui en vouliez au début de cette émission. Oui. Mais alors là, ce qui est valable pour Marie devrait ne pas l'être pour vous? Non, c'est totalement différent. J'ai un seul rôle, hein, madame. Je pose des questions qui font mal. Non, c'est totalement différent parce que je me place sur le rôle du papa et de la maman. Ah oui. Pas du conjoint et de la conjointe. Pas du conjoint et de la conjointe. Pour un conjoint et la conjointe, ce sont deux adultes qui s'aiment. Ils doivent tout se dire. Oui. Tout. Tout se dire. Pas de secret. Non, non.
quand c'est un amour partagé, il ne doit pas y avoir de secret. Entre deux adultes. L'histoire des deux sœurs m'inspire quelque chose, tout de même, que j'avais envie de dire, c'est que vous avez employé une jolie formule, vous avez dit mon père c'était un bâtisseur. Une fois qu'il avait construit, il passait à autre chose. Et bien, j'ai l'impression que vous avez quand même repris le flambeau à votre façon, en construisant vous aussi, en devenant des bâtisseuses, les deux sœurs, qui vont construire des routes entre ces différentes maisons. Moi je trouve que c'est une jolie fin pour cette histoire. Quelles que soient les raisons pour lesquelles chacun a gardé le secret, ça à la limite, on ne saura jamais vraiment. En tout cas, vous avez bien avancé aujourd'hui. Hein. Merci. Je ne sais pas si vous avez le même sourire que dans le reportage. Oui, toujours. J'ai toujours le même sourire. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un sourire qui est un sourire de... Ah oui, je suis apaisée, là. Ouais, là ça, ouais. Je me sens plus sereine, effectivement. Maintenant, je dors. Et sans somnifère. Vous dormez, maintenant? Oui, maintenant, je dors, oui. Depuis combien de temps vous dormez? Comme tous les gens, je dors, oui. Non, mais... Non, tout le monde ne dort pas en France, alors je veux dire, franchement. Depuis que j'ai retrouvé ma sœur. Voilà. Ça, c'est super. Allez, félicitations. Gwenaëlle et Anaïs, ne rien dire pour protéger quelqu'un. Le mensonge par protection qu'on a évoqué il y a quelques instants. Mais nous, c'était complètement l'inverse. Ah oui. C'est-à-dire que dans le cas de Marie, c'est une adulte qui a menti à un enfant. Et nous, c'était l'inverse. C'est-à-dire des enfants qui ont menti à un adulte? Oui. Ouais. Vous parlez de vous, là? Oui. Oui. Vous qui avez donc appris un grand secret à 11 et 13 ans, 11 et 13 ans, pour Gwenaëlle, 13 ans, vous ne l'avez pas tout de suite divulgué. Comment vous en avez parlé entre vous à 11 et 13 ans, toutes les deux jeunes filles comme ça? Mais nous, c'était quasiment un jeu, j'allais dire, enfin un jeu. Ça a dû vous créer une complicité incroyable entre vous deux, oui. Non? Ça, par contre, oui. Mais comment vous souvenez du moment où vous vous êtes dit toutes les deux croix de bois, croix de fer, si je mange un enfer? Si je dis la vérité, je vais en enfer, pardon. Non, on n'a jamais dit ça. Mais c'était ça fait bizarre de dire ça, mais c'était naturel pour nous, ce secret. On a vécu avec, on a grandi avec. Et sans se parler, on avait des regards. Quand il y avait des choses dans la famille qui se disaient, on se regardait. On sortait toutes les deux d'une même pièce en même temps et on savait quoi se dire. Vous disiez quoi, par exemple? Ah bah t'as vu, on se doutait bien que c'est un indice en plus. J'avais raison. Enfin, on faisait des détectives. On était détectives, quoi. Ouais, on était des sœurs détectives. Des sœurs détectives. Sister and Co, les détectives, quoi. Fantomètre et fantomètre. Ouais, c'était fantomètre. À 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, vous un tout petit peu plus, Gwenaëlle. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Qui ne devait rien savoir? Notre mère. On le dirait pourquoi. Je donne la parole à Virginie. Virginie, depuis que vous savez toute la vérité sur votre identité, est-ce que vous avez le sentiment de repartir comme si vous repartiez à zéro avec d'autres racines à l'âge de 40 ans, la veille de vos 40 ans? Pas complètement. J'ai l'impression de m'être enracinée, d'avoir créé des nouvelles racines. Ou d'avoir créé des vraies racines. Des vraies racines. Parce qu'enraciner, c'est pas c'est des comme racines. Si je m'étais construite au départ, ça s'était écroulé, et à côté, j'ai mis des nouvelles fondations et j'ai construit à côté. Vous avez parlé, quand vous avez pris la formation, d'un état euphorique, puis ensuite d'un état dépressif. Oui. Donc au début, vous avez dormi, pour reprendre le terme de Marie? J'ai eu une période où je dormais, ça allait très très bien. Mmh. Une période où je me suis cherchée à aller jusqu'à me raser la tête. Raser la tête avec un rasoir, comme monsieur derrière. Voilà, j'avais bien secret, monsieur. J'avais cette coupe de cheveux-là, comme pour savoir qui j'étais. Si j'avais été désirée, comment réagissait ma mère si elle me voyait comme ça? Mais une femme qui se rase la tête, ça ne renvoie pas au meilleur moment de l'histoire. Non, mais c'est pourquoi vous... Parce que je pense que j'allais mal, je ne m'en rendais pas compte, mais je commençais à aller mal, c'était le début de la glissade. Le début de la dépression. Mais quand vous êtes rasé la tête, vous avez quel souvenir? Enfin, qu'est-ce que vous aviez comme... Aucun. Pour moi, c'était, tiens, et si aujourd'hui je me rasais la tête? J'ai dit à mon mari, allez, je me rase la tête. Philippe, le psychanalyste, comment il réagit à ça? Il réfléchissait à ça, justement. Ouais. Bon, j'ai pas de réponse, j'ai pas travaillé la question. Non, c'est pour ça que je demandais si Philippe avait pas une réponse sur lui. Mais c'est pas la première image qui m'est venue, c'est le bébé, la tête du bébé. Ah, peut-être. Une renaissance. Ouais. Pas mal, Philippe. Et c'était peut-être une période où j'avais besoin que ma mère... ma mère me materne, ma mère me prenne dans ses bras, chose qu'elle n'a pas fait. Ah oui, ça, je pense que là, vous avez fait mouche. Hein. Ah ouais. Bravo, Philippe. Pour vous, il y a un avant et un après. Aujourd'hui, on est un an après. Qu'est-ce qui a changé? J'ai l'impression qu'il y avait le avant la nouvelle, et maintenant, il y a le après. Je me sens beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. Dans mon travail, je travaille en relation avec les enfants. J'ai l'impression d'être beaucoup plus posée dans mon travail.
de moins être à droite, à gauche, partout en même temps à la fois, et de, ouais, d'être plus sereine, plus calme. Quels étaient les indices qui vous mettaient la puce à l'oreille sur le fait qu'il se passait quelque chose de caché, sans qualifier, de caché dans votre famille? Des visites qui me paraissaient suspectes quand mon père était absente. Suspect, c'est... Un climat, une ambiance. Déjà, une très mauvaise entente entre mes deux parents. Peu de liens avec mon père. Entre moi et mon père, un père distant. Il n'y a jamais eu d'affection par rapport à ma sœur qui est plus jeune. J'avais l'impression que les liens n'étaient pas les mêmes. Je ne sentais pas même au niveau de l'éducation. Moi, j'ai une éducation très, très stricte, très rigide. Avec pas de sortie autorisée, des dispenses de sport, vraiment très, très, très serrées. Pas de sortie, y compris pas de sport, enfin, je veux dire. Oui. Comme des punitions, quoi, comme en fait. Oui, c'est une manière de me protéger, d'être sous l'emprise d'eux. Et ma sœur n'avait pas le droit à ce régime, quoi. Elle était sous un autre... Elle avait le droit de faire du sport. Elle était beaucoup plus libre, alors. Elle était beaucoup plus libre. Donc, vous avez toujours préféré garder vos doutes pour vous, jusqu'en 2003. En 2003, vous avez 35 ans. Oui. 34, 35 ans. Vous tombez sur une photo. Jusque-là, vous avez toujours eu des doutes, mais vous ne savez pas exactement. Mais je ne savais pas. C'est pas plus précis que ça, quoi. Non, c'est pas plus précis. C'était un pressentiment. Je sentais qu'il n'y avait pas de lien avec mon père. On parlait tout à l'heure de tissage. Moi, il y avait l'indifférence. Donc vous tombez sur une photo, mais une vieille photo, une photo de moi enfant et d'un homme, d'un homme enfant. Et ces deux enfants, j'ai montré les photos à... Ces deux enfants. De moi. Et de moi enfant. Pas au même moment, donc. Non, pas à deux périodes, évidemment. Qui était cet homme en photo? Cet homme était le frère de mon père. Donc mon oncle. Qu'est-ce qui vous a choqué, là? La ressemblance physique. C'était le même enfant. Pour moi, c'était le... Il y avait des traits communs, il n'y avait pas de doute possible. Donc là, vous vous rendez compte que vous êtes le portrait craché de votre oncle. Voilà. Donc là, un choc énorme. Et je montre ces deux photos à ma tante, donc un frère. À votre tante. Qui est à la un femme frère, de cette... Voilà. Une autre. La sœur. C'est un peu compliqué. Bah oui. Non, mais dites bien la sœur de qui? La sœur de cet homme. De ces deux hommes, donc. Voilà, de ces deux hommes. De votre père et de son frère. Voilà. D'accord. Ils sont trois? Ils sont cinq. Ah, oula, oui, d'accord. D'accord. La sœur de ces deux hommes, disons ça. Jusque-là, on y arrive. Et j'ai montré les deux photos et je lui ai dit, mais tu trouves pas que c'est étonnant, la ressemblance? Que je ressemble à ton autre frère, voilà. Celui qui est le frère de mon père. Voilà. Ça peut, hein, on appelle ça un air de famille, quoi. Sur le moment, je me suis dit oui, pourquoi pas. Et elle a pris toutes les photos, elle a tout replié, elle n'a pas dit un mot et on est allé manger. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les deux enquêtrices? C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, là. Il y a Anguille Souroche, là. Il y a Anguille Souroche, les filles sont comme ça, attention. Confiez-nous l'enquête. Vous avez 35 ans et vous n'avez rien dit. Vous êtes dit, j'ai mis le doigt sur quelque chose de trop grave. Non, je suis rentrée de ce séjour. J'ai vu mon mari et je lui ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Je sais qui est mon père. Oh là là. Comment vous avez vous avez compris tout de suite quand vous avez vu la ressemblance? Ça a été un déclic. Tout s'éclairait. Ça a été un déclic, comme si on allumait une lumière dans une pièce où il faisait noir. C'est vraiment. Je peux pas. Si aujourd'hui justement vous portez des lunettes noires, je tiens à le préciser, c'est pas pour vous, hein. Non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas le dire encore aujourd'hui. Ouais. Ou quelqu'un qui ne le sait pas plutôt. Quelqu'un qui ne le sait pas encore. Quelles histoires. 35 ans sans le savoir, et puis à 35 ans. La puce à l'oreille. La lumière qui s'allume, vous disiez. La lumière qui s'allume. Mais vous n'avez pas la confirmation. Non, personne. Cette sœur en question, elle le savait visiblement, elle. Hein. Oui. Elle range les photos, elle fait « Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu veux pour le dessert ?» Elle est décédée depuis et je n'ai jamais pu à elle demander. Mais... Elle l'aurait dit, elle? Donc, ils sont deux frères, une sœur. Il en reste deux autres, vous nous avez dit. Qui étaient décédés. Enfin, Donc, il reste deux hommes aujourd'hui. Il reste que mon père, celui qui m'a élevée. L'autre qui était sur la photo jeune? Ah, il est décédé? Il est décédé. Oh, merde. Et votre mère, aussi, enfin, elle est toujours en vie? Ma mère est toujours en vie, oui. Mes parents sont divorcés, par contre. D'accord. Ils sont tous les deux toujours en vie? Oui. Qui ne sait pas? Mon père, celui qui m'a élevée. C'est le seul encore à ne pas savoir. Comment vous savez que votre mère sait? Je lui ai posé la question à elle. C'est à elle que j'ai
Donc en fait, donc à 35 ans, j'ai eu la puce à l'oreille. J'ai attendu pourquoi 40 ans, mais peut-être on parlait tout à l'heure de date anniversaire, de crise de la quarantaine, je ne sais pas. J'ai attendu 40 ans, je me suis dit pourquoi pas essayer par les groupes sanguins. La veille de vos 40 ans. De savoir, oui. Comment vous avez fait ça? L'été. Ah, les filles, ça c'est pas mal. Ça. j'ai demandé les à femmes, mon... Les jeunes femmes, pardon, si je dis les filles. Prétextant une campagne de don du sang l'été 2006, j'ai demandé à mon père quel est ton groupe sanguin. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il était O positif. D'accord, O plus. Et j'ai posé la même question à ma mère, ouais. O plus également. Ah. Là où ça coince, c'est que je suis A négative. A négative. Et là, c'était pas possible. Vous c'était saviez ça? Oui. tout le monde le sait. Vous saviez? Tout le monde le savait ici? Ouais. Ah oui. Tout le monde, Il n'y a que moi qui ne savais pas. D'accord. Non, tout le monde ne le savait pas parce que mon médecin n'a pas voulu m'annoncer la nouvelle tout de suite. Elle m'a juste dit, vous détenez une bombe entre vos mains. Comment ça vous, Je suis allée chez mon médecin avec les groupes sanguins en lui disant, je voulais une réponse médicale. Je voulais une preuve scientifique. Irréfutable. Voilà, irréfutable. Ouais. Et mon médecin m'a répondu, vous avez une bombe entre les mains, vous me laissez jusqu'à demain, je fais des recherches pour être vraiment sûre. Le médecin non plus ne savait pas? Elle voulait avoir une confirmation de l'organisme. Tout le monde sait ici, sauf le médecin et moi. Vous le saviez, vous faites les... Non, mais moi, ce que je sais, c'est que la vérité, elle cherche toujours à sortir au grand jour, à frayer son chemin. Et que d'une certaine façon, il y a toujours des doutes. Nos deux détectives l'ont dit aussi tout à l'heure. Il y a toujours des doutes qui s'installent sur des indices de la vérité qui cherchent à se dire. Et vous, en quelque sorte, si vous étiez le portrait craché de votre oncle, vous en étiez aussi le portrait caché. Vraiment à une lettre près. Attention, Philippe Grimbert est dans la place. Attention. Vous aviez des doutes depuis 5 ans. Vous en aviez parlé avec votre mère? Non. Vous en aviez reparlé avec votre tante? Non. Vous avez des frères et sœurs? Oui, une sœur avec qui j'ai de mauvais liens, avec qui ça a toujours été difficile. Avec qui vous êtes dit, je n'ai probablement pas le même père? Oui. Vous êtes repassé des scènes, le film des scènes. Vous disiez tout à l'heure, je me souvenais de moments où mon père n'était pas là. Voilà, de détails, donc votre oncle était là? Oui, le week-end, il venait me voir quasiment tous les dimanches matin. C'était un rituel. En fait, il venait voir ma mère avec qui il a entretenu une relation pendant 7 ans. Peut-être qu'il venait voir sa fille aussi. C'était sa fille. Il savait que j'étais sa fille. Depuis ma naissance, il savait que j'étais sa fille. Il venait me voir, il me donnait des cadeaux, il jouait avec moi. Tous les dimanches matin, j'avais cette visite-là. Il était où votre père pendant ce temps-là? Il était à la messe ou à la chasse? Il était peut-être parti chasser aussi. Je ne sais pas. Ou prier. Chasser plutôt? Chasser plutôt. Vous aviez des soupçons et puis ce médecin a dit, vous avez une bombe entre les mains, je vais appeler mon chef médecin pour voir ce qui se passe, pour avoir la confirmation de cette information. Oui. Et le lendemain? Et le lendemain, quand elle m'a rappelé, elle m'a dit, faites vraiment attention à ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, parce que... Au positif et au positif, ça, c'était sûr. Plus par plus, ça ne fait pas forcément à moins, en tout cas. C'était sûr, mais je devais faire attention, parce que, comme elle m'a dit, c'est quelque chose d'humain et on ne peut pas dire... Enfin... Je marchais sur des œufs, quoi. Ouais, mais enfin bon, c'est vous qui vous retrouviez avec le poids sur les épaules alors que vous n'avez rien fait pour ça, quoi. Vous êtes dans le rôle de l'enfant, même si vous êtes parent, vous êtes tout d'un coup, vous vous rasez la tête, vous redevenez un enfant. Est-ce que... Vous êtes sûr que votre vrai père, il n'est pas au courant? Enfin, que... Non, que... le père qui vous a élevé, vous êtes sûr qu'il n'est pas au courant? Au fond de moi, j'aimerais qu'il le sache déjà. Mais j'ai aucune preuve. Mais au fond de vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez des intuitions? Plutôt bonne, hein. Je pense qu'il doit le savoir. C'est pas possible que ça ait duré. La relation a duré quand même entre mon père biologique et ma mère, a duré 7 ans. Entre votre oncle et votre mère? Comment vous l'avez su de manière formelle que... À cause des groupes quand... enfin, vous saviez non, que c'était pas lui. À cause de la révélation de ma mère, donc j'ai... Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Donc je l'ai rencontré, je lui ai posé les questions, je lui ai dit, bah voilà, les groupes sanguins, c'est ça. Mon médecin est sûr que c'est pas possible. Elle a nié complètement, elle a dit, oh, je me suis trompée dans ma carte de groupe sanguin, je vais refaire ma carte. Bien sûr. C'est sûr, on change de groupe sanguin comme ça. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. Et elle m'a dit non, bah, je sais pas, j'ai pas de réponse. Je lui ai dit, bah, c'est pas un problème. Moi, là, je rentre, j'appelle papa et je lui demande. 5 minutes après, une fois que je l'ai eu quitté, une... Je m'assois aussi avec vous. Aussi. Oui, alors 5 minutes après que je l'ai quitté, une psychologue me téléphone et elle me dit, est-ce qu'on peut... On était mercredi à ce moment-là. Elle me dit, est-ce que lundi, on peut se voir pour que votre mère ait des révélations à vous faire? Je lui dis, mais c'est une plaisanterie, on est mercredi, je vais attendre lundi pour savoir. Non, là, moi, j'appelle papa ce soir et je lui demande, quoi, je peux pas attendre. Et là, elle me répond, mais est-ce que vous croyez que c'est à vous de lui annoncer la nouvelle alors qu'il n'est pas au courant?
Et alors là, le souffle... La question qui tue. Le, voilà. La question qui vraiment qui fait un transfert de culpabilité. Donc elle, me disait en fait que mon père n'était pas mon père, mais sans vraiment me le dire. Et en même temps, elle m'annonçait que celui qui m'a élevé, celui que j'appelle mon père, ne le savait pas. Et là, j'ai pas dormi du tout. Du mercredi, somnifère ou pas somnifère, du mercredi au lundi. C'est pas dur pour vous maintenant d'appeler celui qui vous a élevé papa? Je l'ai jamais. Non, je l'ai jamais appelé. Non pas que je l'ai jamais appelé papa, mais il y a peu d'affectif. Vous l'avez appelé papa ou pas alors? Oui, je l'appelle papa quand je parle. Ah, vous l'aviez jamais en fait, peut-être que j'ai parlé mais quand, pour non, mais quand je l'ai au téléphone, je ne vais pas lui dire bonjour papa, je vais dire bonjour, tu vas bien. Et à votre maman, vous dites bonjour maman? Oui. Et votre oncle, vous disiez quoi? Mon oncle en plus, c'était mon parrain. Donc c'était ouais, bonjour parrain. Bonjour parrain. Enfin bonjour parrain, ça oui, commence ça, comme papa, mon parrain. Non, Philippe, oui, bien sûr. Je ne vous fais pas dire. Oui, en plus, elle l'avait choisi comme parrain, donc ça, ça resserrait les liens. Ouais. C'est si fréquent. C'est une façon aussi de... Oui, monsieur. C'était peut-être une façon de cacher aussi l'existence, justement, en le mettant comme parrain. C'était aussi une façon de cacher... Le lien qu'il y avait entre la maman et le parrain, voilà, justement. Pense, oui. Qu'est-ce que vous avez appris de ce lien qu'il y avait entre deux, entre votre oncle et... Entre votre... Comment vous dites maintenant? Entre le... Le... Qui est votre père pour vous? Je dis mon père et mon père biologique. D'accord, donc celui qui vous a élevé est votre père? Oui, je continue à... J'ai eu une période où je l'appelais que par son prénom, et ça a duré 2 ou 3 mois, et après je continue à l'appeler mon père, quoi. Et quand ma sœur, celle avec qui j'ai grandi, me parle de lui, ça m'arrive... Elle le sait, votre sœur, aujourd'hui? Oui, elle a très très mal réagi, en ne comprenant pas du tout ma démarche. À quoi ça te sert de savoir? Pourquoi tu me gâches ma vie? Il n'y a qu'une seule personne, ouais. Ben oui. C'est ça, hein. Quand on révèle un secret, c'est ça le risque qu'on prend. On ne sait pas si on va dormir ou si on ne va pas dormir. On voit ce que ça veut dire. On ne sait pas si ça va nous libérer longtemps ou durablement. Et là, vous êtes aujourd'hui, et je pense à la croisée des chemins. Je ne suis pas psy, on va laisser la place à des psys qui vont nous éclairer là-dessus, notamment qui a travaillé beaucoup sur le secret. Et aujourd'hui, vous êtes certaine qu'il y a une personne dont vous êtes certaine de ne pas être certaine qu'il sait. C'est tout ce que vous pouvez dire. Non, mais c'est, pardonnez-moi. Une personne qui ne le sait pas, c'est mon père, celui qui m'a élevé. Il ne le sait pas ou vous êtes pas certaine qu'il ne le sache pas? Il fait du déni. Il est peut-être dans le déni. Il fait du déni, c'est obligé. Au fond de lui, il le sait peut-être, mais psychiatriquement parlant, il est peut-être dans le déni et il s'est mis un masque. S'il est évident que pour vous, c'est essentiel de savoir... Ça pose la véritable question de toute vérité est-elle bonne à dire ou faut-il tout dire? À quoi cette révélation va lui être utile à lui? À vous, il n'y a aucun doute qu'elle est essentielle et qu'elle vous est utile. À lui, je ne sais pas. Non, puis la question, c'est de savoir qui doit lui dire, quand, comment. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous savez, cette liaison entre votre parrain et votre mère? Qu'est-ce que vous en savez, vous? Qu'est-ce qu'elle vous en a dit, votre mère, ensuite? C'était une belle histoire, que j'ai été conçue par amour, que j'ai été voulue. C'est bien de le savoir, ça? Ah oui. Et que c'est une histoire qui a duré 7 ans. Donc c'était pas juste une aventure d'une semaine ou deux. Ça, je pense que c'est bien aussi de savoir. Ça aussi, oui. Vous compreniez mieux quand vous passiez le film les dimanches matins? Et je comprenais mieux aussi pourquoi j'ai des relations très fortes avec une de mes cousines qui est devenue... Par les faits, une demi-sœur. Donc c'est lui qui ne sait pas. Quelle relation avait-il avec votre père naturel, votre père qui vous a élevé, avec votre père biologique? Quelle relation ont-ils des deux frères? Je ne sais pas trop. Je pense qu'ils étaient proches. Mais dans les réunions de famille, tout ça, vous... J'ai pas de souvenirs précis de leur relation. Il y avait un grand décalage d'âge. Enfin, il y avait une dizaine d'années d'écart d'âge. Et mon père qui m'a élevé était admiratif de son grand frère. C'était les deux garçons, après c'était 3 sœurs, mais très admiratif. Et aussi dans le fait de lui dire, pas lui dire, ça casse l'image de son frère qu'il avait. En plus, il est décédé, donc ça veut dire... Bon, Philippe garde sa distance, et vous intervenez quand vous voulez, mais là on va faire venir un spécialiste qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur le secret, qui est un comme si également, mais plus par plus égale plus. Hein. Je vous demande d'accueillir Samuel Lepastier, s'il vous plaît. Bien, vous allez bien?
Merci de connaître cette femme. Vous avez entendu toute cette histoire. Alors aujourd'hui, Valérie se retrouve dans la situation de celle qui doit ou pas révéler cette information, Virginie, pardon, à celui qui l'a élevée. À votre père, en fait. Vous dites votre père. Ouais. D'après ce que j'ai entendu, il me semble évident que son père est parfaitement au courant. Ah bon ? Oui, autrement, on ne comprendrait pas pourquoi il y a une telle différence d'éducation. Ah oui. Et par conséquent, je crois que c'est un phénomène assez compliqué, c'est-à-dire que Virginie sait que son père sait, mais elle préférerait que son père ne sache pas. Son père fait comme s'il ne savait pas, alors qu'en fait, il sait. Et je me demande si la question étant le secret de la paternité, parce qu'après tout, le vrai père est celui qui a élevé l'enfant. Dans le cas de Virginie, il ne l'a pas réellement élevé, il s'est mis à distance, donc il savait bien que ce n'était pas sa fille. Mais le vrai problème pour Virginie est la position de sa mère. Comment sa mère a-t-elle pu mener une double vie pendant tant d'années? Comment a-t-elle pu mentir à son père? Et est-ce que Virginie doit avoir un enfant avec lui en plus? Est-ce que Virginie c'est pas le deuxième, c'est la première en fait. C'est ça. Est-ce que Virginie est ou non complice de sa mère? Je crois que c'est ça aussi la question qui se pose. Il y a bien entendu le secret de paternité. C'est lourd hein, ce que vous dites. Tout à fait, tout à fait. Complice là. Moi, j'entends complice, je me dis, oula, je me sens agressé pour vous, quoi. Mais je dis pas ça. Non, mais je comprends ouais, parce que maintenant. Éclairez-moi, libérez-moi. C'est ma mère qui portait le secret. Maintenant, c'est moi. Et ouais, donc ça fait des liens. Et moi, je vois beaucoup de similitudes avec l'histoire de Marie, quand elle disait que sa mère a voulu sa mère, votre mère vous dit qu'elle a voulu vous protéger en ne vous disant pas la nouvelle. Moi, elle me dit la même chose. Elle me dit, je te l'ai pas dit pour te protéger. Et en fait, c'est pour se protéger, elle. Ce mensonge par protection, c'est pas du tout par rapport à... Enfin... Sans en avoir la certitude, visiblement, vous êtes tous d'accord que, visiblement, vous aussi, Virginie, que votre père sait. Oui. Vous le pensez, au fond de vous? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Moi, j'ai envie de dire que, de toute façon, la vie sexuelle des parents n'en garde pas les enfants. Comme vous y allez. Mais je veux dire, quand ils font l'amour, ils ne demandent pas à leurs enfants de regarder. Il ne faut pas leur en parler. Et par conséquent, tout ce qui se passe autour les concerne. Donc, je crois que c'est un problème important et fondamental entre le père de nom et la mère de Virginie, et que Virginie s'est trouvée embarquée dans quelque chose qui ne la concerne pas directement. Si vous développez, vous pensez que Virginie ne doit pas en parler elle-même et qu'elle doit demander à sa mère que ce soit elle qui en parle? Oui, comme vous dites, il faut que ce soit la mère qui prenne l'initiative. Et ça soulagerait effectivement Virginie. Ça permettrait également peut-être de mettre les choses à plat parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites. Et ça soulagerait tout le monde qui ne serait plus obligé de porter un masque en permanence. Bon, vous êtes notre invitée hésitante aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne savez pas si c'est... Elle ne sait pas, sa maman ne veut pas le dire. Je pense qu'elle ne peut pas, elle a du mal aujourd'hui à se dire qu'elle doit assumer cette trahison, entre guillemets, hein, parce que personne n'est parfait. Passez, personne n'est parfait. Hein. Vous avez raison de le redire tout à l'heure, et puis vous aussi d'ailleurs, Marie. Je vais demander, passer aux deux sœurs enquêtrices, là, de voir comment elles se sont débrouillées toutes les deux. Non, mais vraiment, avec beaucoup d'admiration. Sur votre vie d'adolescente, Gwenaëlle, quel impact ce secret a-t-il eu? Est-ce que vous êtes sentie fière d'avoir quelque chose que les autres ne savaient pas? Coupable de porter? Oui, coupable, beaucoup coupable. Coupable vis-à-vis de ma mère, coupable... Enfin, honteuse par rapport à mon père, par rapport... Enfin voilà, il y avait des gens dans le village qui savaient, donc j'avais des regards, des phrases d'enfants toujours bienveillantes, qui font que, voilà, c'est pas toujours agréable à entendre. C'est quoi les phrases d'enfants toujours bienveillantes? On y viendra. Anaïs, vous disiez que vous étiez une ado terrifiante. Oui, pas terrifiante, on a du mal à le croire mais quand on vous voit comme ça. Non, très difficile. Ouais. Moi, je me suis rebellée. En fait, j'ai fui un peu la famille, enfin ce qu'on appelle une famille et qui pour moi n'était pas une famille. Donc j'ai fui un peu ça et un refus de l'autorité complet. Les parents, c'est des cons. Ouais. Vous fuyez. Vous n'avez jamais été tentée pendant ces 10 années de tout révéler, ni l'une ni l'autre? Si, bien sûr. Oui. Enfin, moi, je pense, plus que toi. Mais déjà, on en parlait entre nous. Moi, ça, c'est heureusement qu'il y avait ça. Heureusement, non? Bon, on ne l'aurait pas fait...
individuellement, on l'aurait pas fait individuellement. Vous, monsieur, vous cachiez à vos enfants, mais votre femme savait votre secret. Mmh. Donc vous avez pu le partager avec quelqu'un. Je pense que c'est pour ça que vous dites c'est bien de pouvoir partager. Ouais. Bien sûr. Comment vous avez démasqué ce secret de grande personne? Des recherches. En fouillant. Mais qu'est-ce qui vous avait donné envie de fouiller à l'époque? Rien, d'être un enfant et d'être dans le bureau d'un adulte et de c'est pas fouiller dans le sens malsain. On cherchait pas quelque chose. On regardait. Non mais c'est ça. On regardait, on fouillait pas. Allez, sur quoi êtes-vous tombé par hasard? Sur un agenda avec des noms qui nous paraissaient bizarres, sur des dates, sur des prénoms, sur des anniversaires. Enfin, voilà des choses. Qu'est-ce que vous avez découvert? Vous voulez peut-être pas dire le prénom aujourd'hui, même encore aujourd'hui. Non, enfin oui. De qui? Tu mets comment vous regardez toutes les deux? De quel prénom, de qui? De quel prénom? Bah, de la personne que vous avez découvert. Du prénom qu'on a découvert, non, ouais. On va pas le dire. Non. Par respect. Ouais, non, voilà, par respect, après, bien sûr. Oui. Vous avez fouillé, vous n'avez pas fouillé, vous avez, comment vous dites, vous avez... Regardé, voilà. Dans le bureau de votre père. Voilà. Vous êtes tombé sur un agenda de votre père. Voilà. Où apparaissait le nom... D'une personne, d'une femme, une femme régulière, enfin qui est récurrente. Qui revenait régulièrement, récurrente, comme on dit aujourd'hui. Oui. Voilà, oui. Comme une série récurrente, un héros récurrent. Vous connaissiez cette femme? Oui. C'était une amie de la famille qui venait au repas de famille. Aux communions, les dimanches, voilà. Bon, ne vous tenez pas plus longtemps en haleine. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez découvert? On s'est dit quand même, il y a quelque chose. C'est bizarre. Non, à 11 et 13 ans, vous avez dit, notre père a une double vie. Non, on s'est dit, il a une autre femme, une maîtresse. Une maîtresse. Nous, on s'est dit ça, sur le coup, c'est vrai. À 11 ans, c'est ce que c'est qu'une maîtresse? Oui. D'accord. Non. Pas une maîtresse d'école, oh là là. Non. Si, on avait peut-être un peu plus de 11 ans. Là, t'avais peut-être... peut-être qu'on avait 12, 13... Enfin, peut-être que moi, j'en avais 13. Et vous, 15 ou 16, ouais. Donc, votre père était VRP, il partageait son temps entre votre foyer, la route, et puis visiblement, d'après l'agenda... Ça aide bien la route. Il y avait une étape. Voilà. Sans éveiller les soupçons de votre mère. Donc vous étiez gardienne d'un secret, vous aussi, que un de vos parents ne savait pas. Ça vous rapproche. C'est pas le même parent, mais ça vous rapproche. C'est votre mère. Et qu'est-ce que vous ressentez tout d'un coup pour ce père qui jouait un peu les maris modèles, si j'ai bien compris, et les pères modèles? On est un petit peu en balance, quoi. À la fois, c'est l'autorité, la personne qui doit nous apprendre à ne pas mentir, à dire la vérité, à rien cacher. Enfin, l'honnêteté, voilà. Et là, on se retrouve avec cette personne en face de soi qui n'a plus cette crédibilité du fait qu'on sait qu'il se passe quelque chose de pas bien. Et qu'on nous oblige à garder un mensonge. Enfin, c'est ça. On vous oblige? Mais parce que, je sais pas... Parce qu'on était... Quand a été au courant? Enfin, toi, t'en as parlé avec lui? Moi, j'en ai parlé avec lui. Donc, il était au courant qu'on savait, en fait. Depuis toujours, quoi. Je sais pas vers quel âge. Comment vous avez eu le courage d'en parler avec lui? Mais moi, c'était quelque chose qui me hantait. Enfin, moi, ça m'empêchait pas de dormir, mais ça m'empêchait de regarder ma mère dans les yeux. Et à chaque fois que je la croisais, je me disais, il faut que je lui dise. Et j'ai jamais eu ce... Alors, je sais pas si j'ai pu appeler ça du courage ou... Non, c'est tout simplement que c'était pas elle de le faire. Je me sentais pas, enfin, c'était pas une enfant... C'est pas une enfant de dire de ça. De dire quelque chose comme ça à sa maman, quoi. Bien sûr. Vous avez dit quoi à votre père? Je lui ai dit que je savais avec qui il était, depuis combien de temps. Et qu'en plus... c'est votre fille qui vous dit ça, ça doit quand même faire un choc. Hein. Comment il a réagi? Bien. Il a dit quoi? Ah. Non, mais c'est pas méchant contre lui, mais c'était sa réaction, dire « Ah !» Enfin, un peu étonné quand même, voilà, de dire « Ah !» Et bien réagi, c'est-à-dire, il a posé des questions sur ce que vous saviez? Comment? Je l'ai su? Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? D'accord. Voilà. Histoire que quelqu'un d'autre ne tombe pas dans la confidence. Vous lui avez dit que votre sœur savait aussi? Oui. D'accord. Plusieurs personnes étaient au courant. C'est un petit peu un secret de Polichinelle dans le village où on était, finalement. Et comme on dit, c'est le cocu qui est le dernier au courant. Exactement, et là, mais c'est ça. Là. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça le pire, finalement. Secret en double étape. À l'âge de 20 ans, Gwenaëlle, vous faites une découverte, une nouvelle découverte. Quelle découverte? Que finalement, il y a un enfant avec cette maîtresse et que cette double vie dure depuis donc 15 ans et qu'il y a un enfant. C'est pas simplement une maîtresse. Oui, voilà. C'est vraiment une double vie avec... un autre foyer,
où il y a une femme, un enfant, la semaine et le week-end où il vient chez nous avec ses enfants, une autre femme, une autre maison, une autre vie. Où il vient chez vous ? Il vient chez, enfin, chez lui. Chez lui. Parce que, enfin, ouais, ouais, je sais pas. Si, chez lui. C'est l'autre chez lui. L'autre voilà. Chez lui. Et qu'est-ce qui vous a fait découvrir ça ? Dans l'agenda, il y avait la date d'anniversaire, ouais, il y avait une date d'anniversaire et l'âge. Et le nom d'une mamie. Ah, il mettait l'âge pour être sûr de souvenir. Oui, hein, ouais. Bah, je pense, oui, c'est ça. Anniversaire de tel âge. Et aussi, il y avait eu mamie quelque chose. Et on s'est dit, mais nous, on n'a pas de mamie qui s'appelle comme ça. Et on a fait le rapprochement en se disant, effectivement, mais le prénom là. Et le nom de la mamie, ça fait la mère de la. Le Cluedo, là. Oui, voilà. On arrive à cette famille-là. On arrive à cette famille-là, quoi. La grand-mère, la mère, le fils ou la fille. Voilà. L'enfant. D'accord. En attendant, entre vos 13 et vos 20 ans, vos 11 et vos 18 ans, vous avez été dur avec votre père parce que vous aviez un peu, je crois, eu un peu de mépris pour lui. Ouais, c'est rien de le dire. Surtout moi, parce que Gwenaëlle, en fait, parlait beaucoup avec lui. Elle parlait de ça aussi. Et moi, jamais. Moi, je lui en ai jamais parlé, même encore maintenant. On ne s'est jamais retrouvés en tête à tête pour en parler. Il n'a jamais souhaité ça, et vous non plus ? Moi non plus. C'est pas à vous, en tout cas. Hein. Moi non plus. Et, Vous comprenez votre sœur ? Oui, tout à fait. D'accord. Et pour votre mère, vous aviez quel sentiment quand vous dites que vous n'arriviez pas à la regarder dans les yeux ? Moi, j'avais pas une haute estime d'elle, parce que je me disais que moi, enfant, je l'ai vue, et elle, elle le voit pas. Donc, c'est qu'elle est bête si elle le voit pas. Donc vous l'avez méprisée. Donc moi je lui en voulais je la méprisais. Ouais, c'est dur pour ma mère parce que c'est pas le cas quand même. Mais à cette époque-là, oui, un peu. Moins aujourd'hui. Plus du tout aujourd'hui. Non, mais plus du tout. C'est bien de le dire aussi. Non, plus du tout aujourd'hui. Non, mais elle est courante. Par contre, oui, on en parle beaucoup avec elle. Avec elle, on en parle beaucoup. Que les autres aussi de votre famille sachent que vous avez respecté parfaitement votre mère aujourd'hui. Non, mais c'est important. Elle le sait. Mais oui, non, à l'époque, c'était pas le cas. Votre père, vous n'arrivez pas à en parler avec lui. On lui a demandé de venir sur ce plateau. Enfin, on lui a proposé, en tout cas, de venir sur ce plateau. Il a pas trop souhaité. Je pense qu'il a peur de vous un peu. Moi, je refusais aussi... D'Anaïs beaucoup. Non, mais il a peur. Vous en avez parlé beaucoup aussi avec lui. Et vous avez eu le courage de le faire, alors que ce n'est pas votre rôle, je crois. C'est le problème, je me suis retrouvée dans des situations qui n'étaient pas à ma place, finalement. Ouais. Et c'est ça qui a fait aussi que... Donc, on a proposé à Nien. Donc, il s'est demandé s'il voulait venir. Après, on a parlé à Anaïs. Elle a dit oui, je ne sais pas. Moi, je refusais aussi. Donc, il a enregistré un message, on vous l'a dit, parce qu'on ne fait pas de surprises ici, parce qu'il y a les bonnes surprises dans la vie, mais il y a les mauvaises aussi. Hein. Donc, les mauvaises, ça va, il y en a eu assez dans vos vies. Est-ce que vous êtes d'accord pour le regarder ? Oui, bien sûr. Donc, regardez le message de votre père que vous n'avez pas encore vu et que vous allez découvrir. Mes enfants, je voulais vous dire, je suis sincèrement désolé de toute la peine que j'ai pu vous faire, de tout le chagrin que vous avez ressenti. Alors, je voulais que vous sachiez que je ne me suis jamais caché de personne. On ne s'est pas exhibé non plus. Et j'en suis pas fier pour autant. La seule chose, c'est que maintenant, j'assume. Voilà. Alors, c'est facile de dire « fallait y penser avant ». C'est vrai. Sauf qu'avant, on n'y pense pas. On n'y pense pas parce qu'on est dans un autre contexte. Et puis après, on se trouve coincé. Et je me suis trouvé coincé en disant, si j'abandonne une femme et 3 enfants, je suis un salaud. D'un autre côté, si j'abandonne une femme et un enfant, je suis aussi un salaud. Je pouvais plus rien faire. Vous avez découvert un secret. Vous l'avez porté en vous, vous étiez jeune, vous étiez adolescente, je comprends que ça vous ait marqué. Et vous n'avez rien pu faire. Vous n'avez pas pu en parler à maman, et vous ne l'avez pas fait. Vous n'en avez même pas parlé à votre frère. Maintenant, il y a une chose que j'ai retenue, c'est Gwenaëlle qui me l'a dit, en disant, quoi que tu aies pu faire, tu es mon père, tu resteras toujours mon père. Et pour ce genre de paroles, ben, je vous en remercie.
comprenait. Bien. Oui, enfin, voilà, c'est des choses qu'on s'était déjà dites. Enfin, pour ma part. Moi, je le sais. Voilà, après, voilà. Je trouve un peu... Enfin, je sais pas comment... Je sais pas si je dois dire ou pas. Je trouve un peu facile le fait de dire je me suis retrouvée coincée. Il y a des circonstances qui font qu'on ne se retrouve pas coincée. Si vous voulez dire, si on ne sort pas des clous, femme, quoi. Non, mais entre oui, tromper sa femme et avoir une double vie, il y a quand même un fossé énorme. Tromper sa femme, je pense que... Ou son mari, tout le monde... ça peut arriver à tout le monde, personne n'en est à l'abri. Mais une double vie sur 10 ans, sur 20 ans, avoir un enfant, je pense qu'on peut s'arrêter avant. À un moment, dire... Eh ben oui, je quitte quelqu'un. C'est pas être salaud. C'est assumer, tout simplement. Parce que c'est pas assumer que de garder deux familles. Il dit quoi je ne l'ai jamais caché. Oui, effectivement, jamais caché. On s'exhibait pas, mais on s'en est jamais caché. Ah bon? Si quelqu'un était coincé dans cette histoire, c'est bien Gwenaëlle et Anaïs. C'est nous qui et Jean-Luc, vous avez dit tout à l'heure qu'elles ont été gardiennes de ce secret, c'est vrai, mais elles en ont surtout été les prisonnières. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûrement ce qui les a probablement lourdement attachées. Les prisonnières qui gardent la clé durant leur enfance. Ah ouais. Qui est une clé qui est trop lourde pour vous. Non, mais c'est ça, c'est pas le rôle des enfants. C'est que vu qu'ils savaient qu'on était au courant, plutôt que de nous laisser grandir avec ce secret, de le dire et d'en finir, tant pis, de toute façon, on le sait très bien. C'est toujours vous qui avez pris les devants, de toute façon. Oui, c'est ça. Non, mais un secret, quand il est divulgué, ça fait du mal. Mais qu'il soit divulgué... Le plus tôt possible. De toute façon, on sait que ça va faire du mal, donc autant le dire. Autant le faire tout de suite, ça y est, c'est fini, voilà. Vous attendiez autre chose aujourd'hui? Non. Vous espériez autre chose? Non. Moi, c'est différent parce que j'en ai discuté avec lui avant que ma mère soit au courant. J'en ai discuté pendant après, et même encore maintenant. Donc toutes les choses, comme il dit, quand je lui ai dit que quoi qu'il fasse, comme tu disais, ça reste mon père, que je l'ai idolâtré ou pas comme toi, je veux dire, il aurait tué quelqu'un, c'est mon papa, quoi. Anne, c'est plus être tranche. Moi, voilà, c'est mon père. Et je crois que le fait aussi... d'avoir été complice de son secret, j'ai... Tu culpabilises. Je culpabilise et je veux... je me sens toujours... Enfin, le fait d'avoir été prisonnière aussi fait que je suis toujours une petite fille pour mon papa. Alors que vous êtes une maman aujourd'hui. Tu as des liens aussi par rapport à ça avec lui. Ouais. Parce que toi, t'en parlais avec lui, pas toi. Pas Anaïs. Voilà. Je suis un peu dans cette situation-là aussi. Je partage complètement ce qu'elle dit puisque j'ai exactement ressenti la même chose. Gwenaëlle. Gwenaëlle, tout à fait. De porter aussi, de savoir... Tout. Tout et c'est pas trop lourd. Celle qui sait tout, celle qui parle de tout, etc. Non, je dis pas que c'est plus facile pour le... Non, c'est super lourd. Qu'est-ce que ça peut être lourd. Ouais. On donne la parole à un papa qui est avec nous. Est-ce qu'il faut qu'on avance? Jean-René et Aurélia, avec une de ses filles qui est avec nous. Excusez-moi. Je pense que c'est une histoire qui va vous faire réagir aussi. C'est pas le même secret, mais c'est un secret quand même. Un secret que vous avez caché à vos 5 enfants. 5 enfants, oui. Pendant combien d'années? Oh, il y a... Pendant combien de temps, tout, vous avez caché? Quel âge avait la plus grande quand vous l'avez caché? J'ai caché à peu près 23 ans, à peu près. Il y a combien de temps que vous le savez? J'avais 13 ans, donc ça doit faire 8 ans. Ouais. 8 ans, à peu près. 8 ans, donc vous aviez 13 ans à l'époque quand vous avez appris ce secret. Vous êtes la petite dernière, la cinquième de la famille. Non, l'avant-dernière. 5 enfants. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes venu du Finistère, où vous habitez. Vous connaissez l'art de dissimuler, vous connaissez, vous avez caché donc... à tout le monde, ce que vous allez nous dire aujourd'hui, que vous avez décidé d'assumer en pleine lumière, que vous avez partagé avec votre femme, un secret que vous avez partagé avec votre femme, et vous disiez, en regardant les deux sœurs tout à l'heure, c'est bien comme de pouvoir partager un secret avec quelqu'un. Bien sûr. Ben oui. Vous avez décidé donc de faire un pacte avec votre femme et de ne pas vous confier à vos enfants. Vous aviez 13 ans, donc vous, Aurélia, lorsque votre père vous a révélé ce secret, honnêtement, vous ne vous étiez jamais douté de rien? Rien du tout. Vos sœurs non plus? Et frères et sœurs non plus? La grande savait un petit peu parce qu'elle a eu des soucis. Elle a eu un peu de retard scolaire. Donc, ils ont eu peur qu'il y ait le même souci, donc ils l'ont prévenu. Moi, mais les quatre autres. Rien. Je pense, à un moment donné, à un moment fut, les aînés, les trois plus grands, avaient un doute. L'aîné, c'est sûr, les deux plus grands, ça s'arrêtait au doute. Ça s'arrêtait au doute, voilà.
On disait les grandes étapes de la vie, donc les anniversaires, on apprend des choses, les mariages, les naissances, les divorces, et vous en l'occurrence, c'est une perte d'emploi. Vous êtes licencié il y a une dizaine d'années, Jean-René, c'est un tournant dans votre vie professionnelle, vous ne le voyez pas arriver. Vous trouvez à 43 ans, donc à ce moment-là, le courage de tout dire à vos enfants. Comment trouver le courage de dire les choses après 43 ans de silence? Parce que là, 43 ans de secret, à part avec votre femme, personne ne le savait. Très peu, je pense. Oui. Comment s'est passé ce moment mémorable quand vous avez dit ce que vous avez dit à vos enfants? Comment vous leur avez annoncé? Vous les avez réunis tous? Comment vous avez fait? Oui, ils étaient tous à ce moment-là. Ils étaient tous sur mon toit. Hein, tout le monde était à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce que vous avez annoncé? Ben, en fait, j'ai annoncé ce jour-là que je ne savais ni lire ni écrire. À mes cinq enfants. J'avais une vie socialement bien réussie. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail jusque-là? Je travaillais dans l'agroalimentaire, un emploi à la chaîne pendant 18 ans. Et après, j'ai fait un travail pendant 12 ans de polyvalence. Hein. Ah non, vous avez grimpé dans l'échelle. Bien sûr. Comment vous avez réagi quand votre père vous a dit ça? Parce qu'un père, il corrige un peu les devoirs. Ouais. Il lit les mots. Il y a une de mes sœurs... Il lit des histoires. Il lit des histoires, ouais, le soir? Bah, il ne les lisait pas, quoi. Il me racontait une histoire comme ça, quoi. Voilà. Il avait une bonne manière. Mais avec un livre dans les mains, il lui racontait une histoire? Non, non. Non, mais de toute façon, on récitait une poésie. De toute façon, il ne la lisait pas, mais il disait que c'était bien. On se débrouillait tout seul à faire nos devoirs. On n'a jamais aimé avoir nos parents. On a toujours aimé être autonome. Voilà. Et je pense qu'on était... Et donc, on récitait les devoirs le soir, mais bon, il vérifiait juste si on avait fait correctement nos devoirs. Et puis bon, il savait que mais ça... Comment il pouvait vérifier, par exemple? Ah ben, on faisait le semblant. Ouais. Il fallait toujours... Enfin, c'est vrai que là, quand on revient à la petite histoire, c'est vrai qu'on sort d'un monde assez rural. Donc, moi, je n'ai pas été bercé dans mon enfance en plus que mes parents me racontaient des histoires. Hein, ça se faisait naturellement, une petite comptine. Enfin, voilà. Et vous racontez, vous ne lisez pas. Voilà, j'ai un petit peu transmis à mes enfants ce que moi j'ai eu aussi. Oui, j'ai dit, voilà. Naturel. Et c'était tout naturel. Il n'y avait rien d'anormal à tout ça. Et comment vous faisiez? Vous faisiez semblant parfois, vous disiez? Oui, tout à fait. Et ça, c'est vous aviez parfois dur. Un papier dans les mains? Oui, pareil, tout à fait. Un texte devant les yeux, faire semblant de lire? Moi, je me suis douté de rien. Mais par exemple, un texte de quoi alors? Une poésie, un devoir. Ah, ouais, vous lui donniez votre truc, mais lorsque vous vous trompiez, vous vous rendiez bien compte que vous étiez trompé? On avait l'habitude, en fait. Ben, mon père et ma mère travaillaient dans la même usine agroalimentaire. Donc, mon père travaillait la journée, ma mère des 2-8. Donc, on était habitués à se débrouiller, les grands s'occupaient de nous. Mais donc, il faisait semblant, vous vous doutiez de rien, jamais entre vous, non, vous êtes jamais. Dit jamais. Les cartes routières, par exemple? Il empruntait souvent des routes qu'on avait l'habitude. Sinon, il avait le sens de l'orientation. Donc, non, je me suis doutée de rien. Non. Quelle mécanique vous avez dû faire travailler, monsieur, pour arriver à ça? Quelle était votre toute première réaction lorsque votre père vous a dit à vous tous? C'était à quelle occasion? Moi, j'ai ma sœur qui est quand même venue un petit peu avant, qui m'a dit, écoute, papa va nous annoncer... La deuxième. Papa va nous annoncer qu'il ne sait pas lire. Bon, elle était très blagueuse, donc bon, oh, arrête, tu rigoles. Si. Et puis, mon père était en... Il faisait du kiné à cette époque-là, parce qu'il avait perdu son emploi, donc il était en rééducation. Il a osé dire à son kiné qu'il avait un problème, qu'il ne pourrait pas retrouver du boulot aussi facilement, parce qu'il ne savait pas lire. Parce que bien sûr, l'illettrisme, c'est pas... On ne le marque pas sur le visage, quoi. Toutes les histoires qu'on a dites non plus ne sont pas... C'est pour ça que ça reste secret. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Hein, vous êtes mis dans la peau de ce papa tout à l'heure en écoutant l'histoire? Oui, c'est terrible. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Mais pour le papa, là, c'est vrai que c'est un peu dommage que c'est pas... les choses ne sont pas faites plus tôt. De toute manière, ça n'aurait rien changé. Ça aurait peut-être été plus intéressant pour eux. Ça aurait peut-être arrangé beaucoup plus les choses, certainement, en le faisant quelques années auparavant. Et vous, Jean-René, vous auriez aimé le dire plus tôt? Vous nous avez dit, qu'est-ce que ça aurait changé? Voilà, c'est pour revenir, c'est vrai, à ce dimanche où j'ai annoncé à mes enfants. Un dimanche? Un dimanche, et je me rappellerai, je pense que c'était le 13 juin 1999. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un poids ce dimanche-là qui est tombé, qui était comme un boulet au pied. Et qui est tombé. C'est la libération. Une libération. Une libération. On va voir quel poids, Jean-René, puisque depuis votre révélation en famille, vous vous êtes libéré de cette honte qui vous condamnait
au silence. Votre femme savait, entre vous, vous vous disiez les choses, mais on imagine dans quelle ambiance. Et depuis ce 13 juin 1999, vous osez parler de l'illettrisme à tous, et même publiquement, parce que vous avez raison, c'est un des derniers grands tabous, on doit savoir lire et écrire. Il y a plein de gens qui, comme vous, ont loupé quelques classes et puis se sont enfermés dans l'illettrisme peu à peu. Et Aurélien nous a dit, en préparant cette émission, avoir lu un article dans la presse où votre père disait avoir pensé au suicide à un moment ou à un autre. C'était un article où il restait anonyme. Parce que là, il avait dans l'ambition de créer une association, justement. Donc, il parlait un peu de ce problème-là. Et dans l'article, il faisait part que quand il a perdu son emploi, il ne savait pas comment nous annoncer. Être démasqué, quoi. Il ne savait pas comment il allait nous annoncer le secret. Il ne savait pas non plus comment vous alliez réagir. Marie-Paul, son mari n'a pas pu ou n'a pas su comment faire part de ses difficultés de son vivant. Oui, tout à fait, oui. Vous avez vécu avec Régis pendant 24 ans. Mari était-il? Quel père était-il? Vous avez trois enfants ensemble? Oui, j'ai eu trois enfants. Sophie qui a 35 ans, Hélène 25 et Pierre qui a 21. Pour moi, c'était un papa poule. C'était un mari formidable. C'est quelqu'un que j'aimais par-dessus tout. Et pourtant, vous lui en voulez depuis? Je lui en veux beaucoup de m'avoir caché toutes ces choses aussi longtemps. Et pourtant, vous dites que vous l'avez aimé, que c'était un père formidable, c'était un mari formidable. Oui. Et alors, pourquoi lui en vouloir? Parce qu'il devait pas, il devait vous dire toute la vérité sa femme. Il devait me dire toute la vérité. Pour moi, un couple, c'est basé, le fondement d'un couple, c'est sur la vérité et vraiment une confiance absolue en l'un à l'autre et même une aide permanente pour l'un et pour l'autre. Donc il y a 12 ans, il y a un drame qui brise votre bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé, en quelques mots? Mon mari s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans le cœur avec le revolver de son père. Pourquoi ce geste irréversible? On va le savoir dans un instant. En tout cas, le poids du silence conduit parfois jusqu'au suicide. Votre histoire, Marie-Paul, et de nombreux faits divers, comme on va le découvrir, en sont la preuve. Quand le secret tourne au drame, c'est une enquête de Valérie Tison et de Jean-René Chaperon. Tous les lundis, Alain se rend à l'association d'Odile qui vient en aide aux sans-domicile fixe. Alain est sans abri depuis plusieurs années, sa famille n'est pas au courant. Je vis dans la rue depuis bientôt 5 ans. J'ai caché à ma famille la situation sociale que je vivais actuellement. Les gens de ma génération, le mot travail représentait énormément. Et dans ma province natale, si on disait qu'on ne travaillait pas, qu'on était dans la galère, c'était très mal perçu. Et pourtant, Alain sait que ses proches le recherchent. Mais il tient pour l'instant à garder secrète sa condition. Ma famille a essayé de me retrouver. Être prêt à retrouver et à rejoindre sa famille, reprendre contact, il faut avoir le courage de dire pour quelle raison vous avez vécu dans la rue, pour quelle raison vous avez quitté votre travail, que vous avez tout quitté. Et vous ne vous sentez pas la force encore? Actuellement, non. Comme Alain, certaines personnes ont choisi de ne rien dire, de garder pour elles leurs blessures, s'enfermant dans le secret. Il arrive parfois que cela tourne au drame, bon nombre de faits divers se font l'écho de tels destins. Ainsi, l'histoire de Serge D, mort cet hiver d'avoir gardé pour lui son secret. Ce soir, la solitude et la détresse ont un nom, Serge D. Il n'avait pu se résoudre à dire sa honte, son chômage à sa famille. Il en est mort. Le secret est une protection. La première protection semble être celle de l'entourage. C'est-à-dire, je ne veux pas vous faire de mal, je ne veux pas vous décevoir. Ce qui se cache à l'arrière de cela, c'est la protection de soi-même. C'est, on cherche à se protéger en maintenant une identité, quitte à ce qu'elle soit fausse, pour continuer à être apprécié ou continuer à être aimé des autres. C'est pour cacher à sa famille qu'il avait perdu son emploi que Serge, 43 ans, est mort d'hypothermie le 16 janvier dernier. Il prétendait à sa compagne qu'il avait retrouvé un emploi 3 nuits par semaine. Il a été retrouvé sans vie au petit matin sur un parking à quelques dizaines de mètres de son domicile. Si le secret est parfaitement imperméable, la détresse peut devenir de plus en plus grande, surtout si la situation difficile s'éternise. Et on voit comme ça certaines personnes se déprimer et ça peut mener au suicide, malheureusement. C'est l'histoire du mari de Marie-Paul.
Endetté jusqu'au cou, il cachera ses problèmes pendant 10 longues années, avant de se suicider d'un coup de revolver le 22 juin 1996. J'ai su l'ampleur des dégâts, les dettes qu'il avait pu faire le lendemain de sa mort. Il est parti avec son secret puisqu'il ne m'a jamais dit à quoi il correspondait toutes ces dettes. Au total, plus de 150 000 euros de dettes. Une somme dont Marie-Paul ne connaîtra jamais l'origine. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu m'as tout caché? Même si je t'aime, même si tu m'as demandé de te pardonner, je ne peux pas te pardonner parce que j'ai toujours ce point d'interrogation au-dessus de la tête. 24 années de mariage et de bonheur, durant lesquelles Marie-Paul ne se doute de rien. Elle assume son rôle de mère auprès de ses trois enfants. Lui gère le budget de la famille. Un train de vie plutôt confortable, des vacances régulières ne laissant soupçonner aucun problème d'argent. Rien ne laisse entrevoir à Marie-Paul le moindre souci financier jusqu'au 23 décembre 1995. Ce jour-là, tout bascule. Marie-Paul découvre en allant chercher son courrier une lettre réclamant de l'argent à son mari, la première d'une longue liste. Les lettres arrivaient de plus en plus fréquentes avec des sommes encore plus importantes jusqu'au jour où je pense qu'il n'a plus réussi à m'expliquer, on n'a pas réussi vraiment à dialoguer, il ne se souvenait plus, il découvrait quelquefois il découvrait même en même temps que moi les sommes qu'il devait. Quelques mois plus tard, son mari se suicide en ne laissant comme explication qu'un carton rempli de papiers. Pour Marie-Paul, c'est un véritable cauchemar. Elle découvre des cahiers remplis de chiffres et comprend qu'il s'agit de sommes bien plus importantes que ce qu'elle avait imaginé. Quand on a bien chiffré tout ce qui était chiffrable, on arrivait à l'époque aux millions de francs de passifs et je suis toujours avec les mêmes interrogations. Pourquoi ? Je lui ai toujours fait confiance. Nous étions mariés sous le régime de la communauté. Et depuis le mariage, j'avais une entière confiance en lui. Et d'un seul coup, tout me tombe sur la tête. Et là, pas d'explication, plus d'explication. Il a préféré partir avec son secret. Pourquoi son mari lui a-t-il tout caché? Marie-Paul ne le saura jamais. Mais elle aime aujourd'hui à se dire qu'il y avait certainement une raison. 12 ans après, je ne comprends toujours pas pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'est par amour? Je pense que c'est par amour. Est-ce que c'est pour protéger mes enfants? À mon avis, que c'est vraiment pour protéger ses enfants. Mais pourquoi n'a-t-il pas eu confiance en moi au point de ne pas me dire, me cacher toutes ces choses pendant toutes ces années? J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris pourquoi. Il n'a pas laissé un mot, il n'a rien laissé, aucune explication. Si, il m'a laissé un mot. Il m'a laissé un mot en me demandant pardon, en me disant qu'il m'aimait beaucoup. Il m'a dit, tu as raison, je pense que je deviens fou. J'ai des pertes de mémoire, je pense que je les conserverai. Je préfère partir, je te demande pardon. Soigne bien les enfants, occupe-toi des enfants comme on les aimait tous les deux. Continue à œuvrer pour tout ce que j'ai fait dans toute ma vie, qui était ma passion. Je t'aime, adieu. C'est la seule explication que j'ai eue. C'est une explication, ça? Non, c'est pas une explication. C'est loin d'être une explication. Pour moi, c'est pas une explication. Ça a été cette lettre, je l'ai conservée, mais ça a été plutôt un acte d'abandon pour moi. C'est pour ça que j'ai toujours eu, j'ai l'impression d'avoir été trahie, même si c'est le père de mes enfants, même si c'est l'homme que j'ai aimé. Qui vous a abandonné, vous? Il m'a abandonné, oui. Il m'a abandonné. Pour moi, c'est pas. On a essayé de m'expliquer que c'était la seule issue, certainement pour lui, mais pour moi, c'était pas un acte de courage, c'était pas courageux. J'ai fait. À sa place, tout ce qu'il devait faire, je suis allée au tribunal de commerce, j'ai dû déposer une liquidation judiciaire, j'ai dû procéder à la vente de tous mes biens, et ça n'a pas suffi pour combler
le passif. J'ai dû prendre en charge mes enfants, mon petit bout de 8 ans qui avait à l'époque, qui ne savait pas, qui ne comprenait pas. C'est beaucoup de courage, madame, en tout ça cas. Fait... Oui, j'ai beaucoup de courage, mais j'ai passé par quelque chose de très dur, puisque j'ai tout de même été hospitalisée pendant 3 mois consécutifs. Je faisais plus de 45 kilos. Je ne pouvais même plus bouger, à la limite, parce qu'on avait peur que je me casse un membre. Mais c'était toujours pareil. À chaque médecin que je pouvais rencontrer, je disais, mais pourquoi? Mais pourquoi? J'ai toujours cherché à comprendre et 12 ans après, je cherche toujours à comprendre et j'aurais bien aimé, même qu'il soit sur le plateau, pas en face à moi, mais par exemple par rapport à leur papa qui leur donne une explication. J'aurais bien aimé aussi, moi, qu'ils me disent une explication, même si elle ne me plaisait pas en fait. Au moins, j'aurais des interrogations au moins. Par exemple, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir ? J'aurais aimé savoir pourquoi toutes ces dettes, en fait, à quoi a servi cet argent. Ça, vous ne savez pas, ça? Toujours pas? Je ne sais toujours pas. J'ai essayé je ne sais toujours pas, non. J'ai essayé par plein de choses. Quelles sont les hypothèses que vous avez... Alors, j'ai imaginé qu'il avait une double vie, qu'il aurait pu avoir une double vie. J'ai cherché de ce côté-là, je n'ai rien trouvé. J'ai imaginé qu'il jouait. Il y avait des indices qui pouvaient me laisser supposer qu'il jouait par rapport à certaines sommes. Des sommes qui disparaissaient brutalement. Oui, et là aussi, on m'a bien confirmé, ça m'a été confirmé, qu'il n'était pas inscrit sur la liste des joueurs professionnels. Dans les casinos, par exemple? Dans les casinos ou autres, puisque nous habitons un endroit où un casino n'est pas loin et qu'il pouvait partir à n'importe quel moment, puisqu'il était appelé dans des missions d'urgence ou autres, que je n'aurais pas pu contrôler. Mais... Vous doutiez qu'il y avait quelque chose avant qu'il se donne la mort? En fait, c'est pareil, c'est une date anniversaire, ça correspondait à l'anniversaire de notre mariage. Le facteur a sonné à la porte avec un recommandé qui venait du Trésor public. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai tout découvert. Mais ce jour-là, je n'ai découvert qu'une infime partie des sommes qu'il devait. On a pu chiffrer ça après, il a fallu au moins 3 ans au liquidateur judiciaire pour pouvoir chiffrer effectivement ce qu'il y avait derrière. Quelle somme? Ça passait le million de francs de passif. Ça le dépassait très largement. Ça qui se donne la mort, donc vous vous retrouvez toute seule, alors que vous l'aimiez beaucoup, pour vous c'était le mari idéal. Ouais. C'était le mari idéal, c'était celui qui dans un cadre était pour moi l'idole. Quoi. Le père idéal? Un papa poule, un papa idéal, un papa toujours près de ses enfants. Rien me laissait présager non plus, prévoir qu'il pouvait cacher quelque chose d'aussi grave. Et encore même, c'est quoi grave? Parce que je ne le sais toujours pas. Et depuis... Pour vous, ce n'était pas suffisamment grave pour commettre un geste aussi irréparable? Non. Dès que j'ai su, j'ai essayé de l'aider, j'ai commencé à parer. On a pensé qu'on allait pouvoir pouvoir réparer, que ce n'était pas si grave qu'on a pu le déterminer à la fin. Mais plus les jours passaient, plus les mois passaient, plus les lettres recommandées arrivaient, et plus les sommes étaient importantes, à un tel point de toute façon qu'après le décès, le médecin avait donné des consignes pour que plus aucun courrier ne me parvienne. Tout partait directement chez le notaire et chez le liquidateur parce que je n'en pouvais plus. La première lettre recommandée par rapport au suicide, elle est arrivée quand? Le 23 décembre 1995, très exactement, le jour de notre anniversaire de mariage. Et de Noël. Et de Noël, oui. Et il s'est suicidé? Il s'est suicidé le 29 juin 1996. Mais entre ces deux dates, ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire parce que je commençais à découvrir des choses et c'était toujours « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu me l'as pas dit ?» Mais il disait « Je te demande pardon, Marie, mais... » Je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. J'ai des pertes de mémoire. J'avais l'impression qu'il découvrait les choses en même temps que moi. La question que je me pose, c'est de savoir si vous êtes fait des reproches après la mort. La chance que j'ai, c'est de n'avoir jamais culpabilisé par rapport au décès de mon mari. Oui. J'ai été très malade, très mal, parce que je cherchais à savoir pourquoi il avait agi de cette façon. Mais je n'ai jamais culpabilisé
en ce qui me concerne par rapport à son décès. Notre prochaine invitée a préféré garder ses problèmes et sa souffrance pour elle, comme votre mari. Pendant plus de 20 ans, elle n'a rien voulu dire à sa famille. Les conséquences auraient pu être dramatiques, là aussi. Et on voit jusqu'où peut nous conduire un secret. Je demande d'accueillir Carole. Bonsoir. C'est depuis l'âge de 8 ans que vous vivez dans le secret, Carole. Depuis l'âge de 8 ans, pourquoi ne pas vous être confiée à vos parents? Par peur, par honte, par... Peur de quoi? Peur que la personne... qu'on la punisse. Puis la honte du regard de la famille vis-à-vis de moi. Vous dites que ce secret a gâché votre vie. Oui. Pourquoi? Dans tous les sens du terme. Des angoisses, peur de la mort, des rituels, des tocs, des insomnies. Quel a été le déclic qui vous a permis de vous libérer? J'ai suivi une psychothérapie. Et mon premier déclic a été, j'ai envoyé un SMS, un texto, comme on dit, à mon psy, en lui disant que la prochaine fois, j'avais quelque chose à lui avouer. Parce que je sentais qu'il n'avancerait pas dans ma thérapie si je ne lui avouais pas mon secret. Si lui n'avançait pas, si vous n'avanciez pas non plus, j'imagine. Oui. Donc vous êtes mis la pression toute seule, en fait. La pression toute seule en lui demandant de vous demander, quoi. Oui, tout à fait. Vous êtes sortie du silence par étapes. Donc ce psy d'abord, ensuite votre meilleure amie, votre belle-sœur et enfin, il y a quelques mois, votre mère. Dans quel état d'esprit vous étiez avant ce moment dont vous aviez plus peur que tout? Je vous vois prendre votre respiration. Pour ma maman, ça a été pas, puisque jamais j'aurais pu concevoir d'avouer ce secret à ma mère. Je pense que j'aurais pu garder ça à vie, je pense. Mais moi, souffrir. Et c'est suite à une dispute familiale où je lui ai dit, c'est sorti. Comme une haine, comme pour avoir un soulagement, pour une compréhension. Il y a combien de temps? Il y a 2 mois. 2 mois? Vous avez quel âge aujourd'hui? 33. Qu'est-ce que vous avez dit à votre mère ce jour-là, il y a 2 mois? Mon secret? Que j'avais eu des attouchements sexuels de la part d'un proche, très proche de la famille. Et là, je me suis sentie revivre. Honteuse. À quel âge? À quel âge? Ses abus, 8 ans. Vous avez parlé de quelqu'un de très proche de la famille? Oui. Comment a réagi votre mère? Elle a eu la haine contre la personne. Bon. Premièrement. Après, elle m'a dit, là, tu me scies les jambes. Tu aurais dû m'en parler plus tôt. Et elle a enfin compris tout le mal-être que j'avais. Mon problème de poids, parce que mon corps restait un enfant. Pour ne pas être désirable? Regard des hommes. Vous avez eu peur de la réaction de votre mère? Oui. Vous aviez peur qu'elle ne vous croie pas? Qu'elle me juge mal. Qu'elle vous juge mal alors que vous n'aviez que 8 ans? Comme la sexualité est tabou, c'est pas un sujet... On ne parlait pas de ça à la maison. Et... Moi-même, je me sentais honteuse, je me disais j'ai peut-être fait quelque chose qui aurait pu attirer... Mais non, en fait, non. Si vous avez pu faire quelque chose à l'âge de 8 ans, ça, il faut vous débarrasser de ça. Je pense que votre psy a dû vous aider à le comprendre. Oui. Ouais. Ouais. Votre mère l'a compris tout de suite aussi? Elle a revu les choses différemment? Cette personne est toujours dans votre entourage? Oui. C'est une des questions les plus douloureuses dans ce genre d'affaires, c'est que la honte est du côté des victimes. Et c'est très souvent le cas, et c'est effectivement quelque chose qui donne naissance à un silence qui peut durer très longtemps, vous nous en donnez la preuve. Je pense qu'à cette personne, j'en parlerai jamais. Jamais. Mais je lui pardonnerai jamais, non plus. Même si je la côtoie. Mais à cette personne, je souhaite qu'elle soit devant la télé, comme ça. J'espère. Parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer l'impact que ça peut avoir sur une vie. Oui, si, si. Moi, j'ai gâché ma vie.
Vos problèmes de santé, tout ça, vos angoisses, tout ça, depuis, ça va beaucoup mieux? En fait, à chaque fois que j'en parle, donc quand j'en ai parlé la première fois à mon psychologue, les deux semaines qui ont suivi, il m'a prévenu, ça a été l'enfer. Tous mes démons se sont réveillés, des crises d'angoisse tout le temps, toutes les nuits, tous les soirs. Puis après ça, c'est estompé, puis hop, j'en parle à ma belle-sœur, à mon amie, ça recommence. Et dernière crise d'angoisse, c'est le jour où j'en ai parlé à ma maman, il y a 2 mois. Depuis, je n'en ai plus fait. Peut-être cette nuit, parce que là, j'en parle devant beaucoup de monde. Mais ce sera peut-être la dernière de ma vie. Et après, la vie commence. Alors, la vie commence ou recommence? Oui, recommence. Recommence. On va regarder ce reportage qui concerne l'histoire de Guillaume, qui est notre invité, qui écoute, je vois, avec beaucoup d'attention, qui est tourné vers tous les écrans qui sont sur ce studio, pour écouter vraiment ce qu'il y a dans le cœur de nos invités, essayer de voir comment ils réagissent quand qu'ils aient été porteurs d'un secret, oui, ou qu'ils aient été victimes de quelque chose qu'ils ne savaient pas et qu'ils ont appris un jour ou l'autre. Dans les deux cas, on a vu qu'on pouvait être victime. Vous, Guillaume, vous cachez à votre mère et à votre famille la façon dont vous gagnez votre vie. Vous êtes célibataire, vous habitez Paris, vous êtes forcé de mentir quotidiennement à votre propre mère, vous êtes assez proche de votre mère. Comment on peut être serein quand on ment sur sa vie à sa mère à ce point-là? En fait, on n'est pas vraiment serein parce qu'on sait que c'est un mensonge, c'est un secret qui est assez lourd à porter. Donc on ne peut pas être totalement serein, mais on arrive à vivre avec quand même. Mais on n'est pas serein. Ça fait combien de temps, Guillaume, que vous vivez dans le secret? Ça fait 3 ans. Vous vous êtes lancé il y a 2 jours, vous avez décidé de mettre tout à plat, de révéler votre façon de vivre, votre métier. Vous êtes stripteaseur. Stripteaseur. On peut se dire, par rapport aux histoires qu'on a entendues aujourd'hui, c'est une petite histoire. Mais quand c'est vrai que c'est pas la même gravité, mais je veux dire, par rapport à la situation que chacun a, le degré de gravité n'est jamais le même. Donc peut-être vous le vivez très mal. Ouais, voilà. Peut-être qu'à mes yeux, c'est aussi grave que l'histoire de quelqu'un d'autre. Vivre dans le secret. Regardez ce reportage. Nos caméras vous ont suivi au moment crucial où monsieur va l'annoncer à sa maman. Moment de vérité par rapport à toutes ces nuits parisiennes où vous n'étiez pas le garçon heureux que vous sembliez, être. C'est un reportage de Sophie Attard et de Sébastien Brizard. Ce soir, Guillaume va faire un grand pas dans sa vie. Il a décidé de dévoiler son secret à sa mère. Allô? Oui, ça va? Il prétexte une surprise pour la convaincre de venir le soir même en boîte de nuit. Donc viens, s'il te plaît, ça me fera plaisir. D'accord. Ok. Bon, je compte sur toi. Hein. Ouais, d'accord. D'accord. Okay. Gros bisous. Un gros bisou. Ouais, ciao. Car aujourd'hui, Guillaume ne veut plus vivre dans le mensonge. J'ai une double vie, j'en suis conscient. Et c'est super difficile à porter. C'est un secret que je garde depuis 3 ans, que je vais révéler ce soir à ma mère qui est musulmane. C'est pas un petit truc que je fais, quoi. Voilà. C'est le grand saut. Guillaume, 27 ans, est un jeune plutôt sexy. Ça... C'est l'officier marin. Il n'est pas militaire. Son secret, c'est sa profession. Guillaume est stripteaseur. Mais ce soir, le show va être particulier. Pour l'avouer à sa maman, il a choisi de lui montrer plutôt que de lui dire. Il va se déshabiller devant elle. Elle aimerait bien savoir ce que je fais. Elle m'a déjà demandé plusieurs fois ce que je faisais dans la vie. Mais alors, mon fils, comment tu gagnes ton argent? Comment t'arrives à vivre, à payer ton loyer? Comment tu t'habilles? C'est vrai, est-ce que je vis tout seul? Mais je disais que j'organisais des soirées ou des choses comme ça. Et je faisais diversion. Je répondais pas aux questions. Moi, je préfère qu'elle l'apprenne par moi plutôt que par une autre bouche. Donc... Je pense que c'est une bonne démarche, ce que je vais faire ce soir. J'ai envie de lui avouer, mais j'espère que ça va nous permettre de nous rapprocher encore plus. Guillaume espère qu'en découvrant son secret, sa maman sera fière de lui. Pour lui, le striptease est un véritable métier et lui a même permis de prendre une revanche sur sa timidité. Ça m'est tombé dessus par hasard, hein, le striptease. Mais j'ai remarqué que ça m'a donné plus confiance en moi. Quand j'étais adolescent, il y avait toutes les filles qui sortaient avec mes copains. Moi, j'étais un petit peu mis à part, j'étais mis de côté. Ça, c'était assez difficile à vivre. Et donc c'est vrai que je me suis toujours dit qu'en grandissant, j'essaierais de faire quelque chose pour qu'on me remarque.
Même s'il est sûr de sa démarche, à l'approche de l'heure fatidique, la tension monte. Bon, on va faire une petite séance de sport pour se détendre, parce que là, ça commence à monter un petit peu le stress. Guillaume vient ici tous les jours faire de la musculation. Il rencontre Jérémy, un ancien stripteaseur, à qui il demande quelques conseils. Mais toi, t'étais stripteaseur à un moment. Ouais. Et tes parents, ils étaient au courant? Même pas. Putain, et comment ça s'est passé? Alors, tu leur as avoué? Ouais, ils savent pas, mais là, à mon avis, ils vont pas tarder à me griller parce que je suis dans certains magazines. Ouais. J'ai une copine qui m'a grillé. Par hasard, quoi, comme ça. Je me dis que si la copine peut me griller, je pense que mes parents aussi, ma famille. Pas bon. Ah, ça craint, ça. Et t'es sûr de toi? Et ta copine, elle est tombée par hasard sur le truc? Ouais. Et elle a dit quoi quand elle est tombée dessus? Elle l'a pas pris bien, elle était... Ouais, comme si tu lui avais caché et tout. Le doute s'installe. Comment cela va-t-il se passer ce soir? Guillaume veut se rassurer auprès de son meilleur ami, David, qui connaît très bien sa mère. Tu sais, ça me tient à cœur, David, de lui avouer ce soir, parce que c'est vraiment un poids. Je peux plus supporter de cacher, d'avoir une double vie comme ça, de cacher ma profession à ma mère. C'est plus possible, franchement. La première fois qu'on était parti dans une boîte, tu m'as dit, tu vas voir, je fais un petit truc, tu vois, c'est marrant et tout ça, c'est juste pour le délire. Je t'avouerais que j'ai mal pris, quoi. Je savais pas comment... Je savais plus quoi penser de toi, ce que t'étais homo, ce que t'étais... Je ne sais plus, tu vois. Franchement, je me suis posé énormément de questions. Je me dis, mais attends, dans quel délire il va, là? C'est un peu qui tout double, hein. C'est soit je me prends une grande claque dans la tête... Ouais. Putain, la vache, j'ai plein de trucs qui me passent dans l'esprit et je suis perdu. Je sais plus quoi penser. Toi qui connais un petit peu ma mère, tu penses qu'elle va le prendre comment? Elle va accepter ou elle va carrément me rejeter, elle va me renier? Par rapport à la religion, je pense que ça va faire quelque chose déjà. Ça va salir un peu la famille, tu vois ce que je veux dire? Ça va être du genre, ah, t'es stripteaseur, ah là là. La honte. C'est la honte, tout de suite c'est la honte. C'est lié à la honte. Être un stripteaseur aujourd'hui, c'est lié à la honte. Je resterai toujours ton ami, ça c'est clair, hein. ça changera jamais. Et je serai toujours là pour te soutenir. Hein. Ça c'est... À 100% je serai là, t'inquiète pas. Merci. Le compte à rebours est lancé. Guillaume angoisse de plus en plus. La journée a été éprouvante. Il a compris que dire la vérité est un pari risqué. Il est minuit, sur la piste de la discothèque, l'ambiance bat son plein. Dans les loges, Guillaume est soutenu par son groupe de stripteaseurs. Les mecs, vous avez intérêt de me soutenir parce que là, c'est encore... C'est, bah ouais, j'ai un petit pincement ici, je sais pas ça ce arrive, que ça arrive. Mais là, tu vois, c'est pas comme si tu étais tout seul, on est six. Ouais, vous êtes là pour me soutenir. Bon, toute ma famille est au courant. Bah, y a que mon banquier qui sait pas. Laïla, la mère de Guillaume, est bien au rendez-vous. Elle n'est pas venue seule, un jeune homme l'accompagne. Je sais pas du tout pourquoi je suis là. Alors, c'est pas... C'est pas quoi, c'est un anniversaire, c'est un cadeau, c'est quoi? Surprise. Ça doit être une surprise. Ben, on verra. J'espère que c'est quelque chose de bien. De très bien. Qui nous fait plaisir. Guillaume aperçoit dans la salle sa maman, mais catastrophe, son cousin Mehdi est aussi présent, la pression est double. Putain, c'est pas bon. Putain, il y a ma mère, il y a mon cousin. Je sais pas si je vais le faire en fait. Il est complètement déstabilisé, mais c'est trop tard pour revenir en arrière. Le spectacle commence. La mère ne peut pas le regarder et le cousin ne supporte pas, il quitte la boîte de nuit.
je vois un truc comme ça, je sais pas, autant qu'une mère, ça, c'est dur pour moi. Je me sens très mal. Mais Vous l'aimez quand même, votre fils ? Ah bah oui, ça n'a rien à voir. L'amour d'une mère, ça, non, ça n'a rien à voir. Hein. J'espère que tu ne prends pas mal. Et voilà, je voulais te montrer ce que je faisais. Ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur. Fais-moi un bisou. C'est la réaction que vous attendiez ? Ouais. Enfin, au début, j'ai eu un peu peur parce qu'elle, quand je voyais son visage, quand je faisais le striptease, elle était super tendue, elle osait pas me regarder, carrément, elle tournait la tête et tout. Mais c'est une femme qui a l'air pudique. Enfin, comment ? Une femme qui a l'air assez pudique, etc. Ouais, elle est, bah oui, elle est quand même assez pudique. Et de voir son visage en train de me regarder faire le show comme ça, j'étais super mal à l'aise. Mais je faisais quand même le. Vu que je m'étais lancé. Je me suis dit, allez, jusqu'au bout, quoi. Ah, vous avez voulu faire comme ça, il n'y a pas un autre moyen de lui annoncer les choses? Parce que je me dis, quand même, faire un striptease devant sa mère, c'est beaucoup. C'est osé, ouais. C'est osé. Ah, non, mais même, dans l'idée, quoi. Bah, après, après réflexion, je me suis dit, bon, la journée et tout, quand j'étais filmé, bon, ça allait. Le stress montait un petit peu de plus en plus, au fur et à mesure de que la journée avançait. Et c'est vrai que le soir, arrivé dans la discothèque, j'étais super mal, j'étais super tendu. Et je me suis même demandé si j'allais aller jusqu'au bout. À un moment, je me suis dit, je suis à côté de la plaque, de lui annoncer ça comme ça, faut avoir un culot monstre quand même. Faut vraiment être culotté pour faire ça. Et je l'ai fait et c'est passé, quoi. Je me suis dit. Ah, parce que le secret était tellement gros pour vous à garder qu'il a fallu que vous passiez par quelque chose de très gros pour le faire le dire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est faire un striptease devant sa mère, excusez-moi d'insister. C'est quand même. Non, mais je sais pas, non. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? C'est culotté. C'est osé, c'est culotté, ouais. D'accord. C'est stringué, quoi. Enfin, un trêve de plaisanterie, ça a été assez dur. Jusqu'au dernier moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi. Et après ? Et après, alors... après, là, quand vous voyez, après le reportage, je suis rentré chez moi. Ouais, ouais. J'ai été complètement enfermé sur moi-même. Tendu à mort, j'ai pas réussi à dormir et tout. Dans le taxi, en rentrant, je disais pas un mot et tout, j'étais stressé. En fait, quand je me suis réveillé le lendemain matin, ça allait. Je me suis dit que j'avais fait le bon choix de faire ça comme ça, de lui annoncer ça comme ça. Faut dire que c'est assez original quand même, de faire venir sa mère. Elle a pas été. Comment a-t-elle réagi ensuite depuis quand? Alors, depuis, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas, c'est. Enfin, c'est bon signe ou c'est mauvais signe? Je sais pas. Elle m'a pas appelé, elle m'a dit qu'elle m'appellerait, elle m'a pas appelé. Donc voilà. Ouais, je pense qu'il faut lui laisser le temps de. Ah ouais, peut-être toi, appelle là. Qu'est-ce que t'en pensais ? Je trouve que ça n'a rien de honteux de faire des chip and dale. Donc c'est un secret qui pèse. Peut-être vous aviez peur de ne pas correspondre à l'idéal que votre mère se faisait de vous. Vous avez eu peur qu'elle vous aime moins. Mais a priori, il n'y a aucune révélation, aucune conséquence à long terme, même si en effet, ça ne correspond peut-être pas tout à fait à ces codes moraux. Vous n'êtes pas dans l'illégalité, vous n'êtes pas dans la délinquance, et c'est plutôt positif. Oui, même si la légalité n'est pas la moralité exactement, enfin en tout cas pas toujours au sens où on l'entend, vous n'êtes pas dans quelque chose qui est répréhensible. C'est non. Ça, voilà. Non. Alors Clara nous a rejoint. Clara, ou alors vous avez un pseudo. Oui, tout à fait. Qui est comment? Qui s'appelle. Je m'appelle. Ouais. Je m'appelle Milka. Milka Manson. Milka Manson, ça c'est votre pseudo. Vous avez une activité, vous faites du cinéma pornographique. Alors là non plus, c'est pas du cinéma X, on va dire. On va pas faire les enfants hein, à ce temps-là. Là encore, ce n'est pas une activité qui est répréhensible, qui est illégale, qui est ceci, qui est cela, mais qui est dure quand même à dire à ses parents. Non, mais je veux dire, j'imagine, vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 21 ans. Ça fait combien de temps que vous faites du cinéma X? C'est assez récent, en fait. Ça fait 8 mois. Là, vous avez commencé votre sexualité sur écran, chez vos parents? Non. Par écran interposé? Ah oui, vous parlez de la webcam. De la webcam, d'accord. Oui, donc ça, oui, j'ai commencé... Vous étiez sous leur toit? Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez sous leur toit ?
Oh, mais je me dis, après, je sais quand pas si vous tenez vraiment à le savoir. Non, mais sans entrer dans les détails, mais je veux dire, devant votre webcam, vous faisiez des striptease, de la simulation d'actes sexuels. Moi, j'étais visible et par contre, je ne voyais pas la personne qui était en face. Tarifé, vendu. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Pour gagner votre vie, à partir de quel âge? En fait, je faisais mes études en même temps. Et j'ai fait ça 2 mois avant de commencer, avant de partir, en fait. Vous aviez des études déjà majeures? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est... Vous étiez encore chez vos parents, vous êtes parti après, 2 mois plus tard, donc ça fait maintenant 8 mois. Que savent vos parents de votre activité? Tout. Ils savent que j'étais animatrice webcam chez eux. En fait, mon père a eu beaucoup de soupçons. Vous avez vu la réaction de ce jeune homme qui se disait, Guillaume, qui se disait, comment va réagir ma mère? Ouais. Je pense qu'il va falloir attendre encore quelques jours pour le savoir vraiment de comment réagit votre maman. Parce qu'elle doit avoir le temps de pouvoir encaisser. En ce qui vous concerne, est-ce qu'ils ont réagi de la façon que vous attendiez? Au début, oui. Au début, j'ai été incroyablement surpris. Parce que, c'était une feinte. Mes parents, ils n'ont absolument rien dit. Enfin, mon père a éclaté de rire. Il m'a demandé des preuves parce qu'il a cru que je mentais. Donc je lui ai ramené voilà. Ma mère disait non, moi je veux pas voir, me montre pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Et par contre, ils l'ont pris à la rigolade, en fait. Ça a été très léger. J'ai pu leur parler ouvertement, chose. Même votre mère? Même ma mère. Même votre mère qui avait réagi en disant je veux pas savoir, je veux pas voir. Oui, mais c'était dit sur le ton de la rigolade. Mmh. Et je pensais pas que ce serait pris de manière si légère, quoi. J'étais agréablement surprise. Il y a combien de temps que vous leur avez dit? Ça fait 2 ou 3 semaines. Et comment depuis ces 2 ou 3 semaines, parce qu'il y a le moment où on leur dit, puis le moment après où on attend la réaction, la véritable réaction, l'aftershock de sa maman. Là, ça a été beaucoup plus dur, en fait. Disons que mes parents, ils ont bugué sur l'instant. Et ils ont bugué. Ouais, ils ont bugué. Ils sont restés scotchés comme ça, dans l'atmosphère. Et, un rire qui libère sans doute, ouais, qui protège aussi. Après, il y a eu du suspense. Et ma mère m'a rappelé 2 jours après en me disant oui, j'ai réfléchi. Aïe. Et il faut qu'on se voie. Donc elle est venue chez moi. Et là, ça a été le questionnaire, l'interrogatoire de police, l'introspection. Quelle question forcée. Quelle réponse elle voulait avoir? Alors en fait, mes parents m'ont posé chacun, ils sont venus chacun leur tour en fait me voir indépendamment, ils m'ont posé des questions très différentes. Ma mère, elle, c'était est-ce que pour toi ça se passe comme pour le cliché que l'on a de l'actrice porno? C'est-à-dire? À savoir la bimbo qui a une sexualité déjà à la base de nymphomane, ce qui n'est pas le cas. Vous l'avez dit non? Non. Non. Est-ce que... C'est un jeu de rôle, c'est ça? C'est un personnage, en fait. Un personnage, d'accord. C'est... Votre père, qu'est-ce qu'il voulait savoir, lui, principalement? Mon père, il voulait savoir s'il y avait eu des problèmes dans son éducation. Ah, bah c'est... Non, mais peut-être que c'est... Je sais pas si c'est normal ou pas, mais enfin, en tout cas, c'est... Je voulais savoir si c'était... C'était une question à poser, de toute façon. C'était une question à poser? Ouais. Ouais. Clara, c'était à refaire. Vous feriez exactement de la même façon? Vous ouais. diriez exactement de la même façon? Ouais. On arrive au terme de notre émission. Pardon, je vous en prie. Oui, Clara a dit quelque chose de très important. Mmh. En quelque sorte, au fond, elle met en cause ses parents et l'absence de limites que lui ont posé ses parents. C'est-à-dire que tout en ayant peur de leur réaction, elle a besoin de leur dire pour qu'enfin ils réagissent vis-à-vis d'elle. Je crois que c'est un jeu très compliqué. Elle ne supporterait pas qu'ils lui interdisent quoi que ce soit. Mais en même temps, au fond, elle leur dit « Voyez où vous m'avez conduite ». Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que votre père a posé ces questions-là, après. Voilà, ça a été... Ça a été un vrai sujet de débat entre nous, puisque je lui ai avoué des choses. Je lui ai avoué comment s'était déroulé le début de ma sexualité. Et par contre, il m'a demandé, est-ce qu'il y a eu un problème? Parce qu'il l'a vu, enfin, c'est la période, en ce moment, où on parle beaucoup des parents qui ont vécu... les années en fait de rébellion et qui donc laissent beaucoup de liberté à leurs enfants et du coup les enfants ne peuvent pas faire leur propre rébellion et mes parents m'ont laissé, mon père m'a laissé beaucoup de liberté, j'ai eu des copains très jeunes. Voilà, que chacun déduise des méthodes d'éducation qui seront les leurs, voilà. En tout cas c'est important d'apporter votre témoignage. Philippe va conclure dans un court instant. Virginie, vous nous direz juste après peut-être la conclusion de Philippe. Au regard de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui sur ce plateau, des expériences aussi diverses les unes que les autres, et qui nous ont beaucoup touchés, je crois, qui nous ont beaucoup fait réagir aussi. Vers quoi vous vous dirigez, si vous avez envie de le dire à quelqu'un ou le faire dire à quelqu'un?
On laisse conclure et vous terminerez comme si quelqu'un vous préférait. D'abord qu'il intervienne. Oui, j'ai envie de conclure en effet par une sorte de dénonciation au fond des dangers du silence absolu, en montrant que ce qui est tué peut tuer, littéralement. On s'en est aperçu dans certains des témoignages qui ont été apportés ici ce soir. Il y a aussi quelque chose que je dois dire, mais ça c'est une petite parenthèse, mais j'avais envie de dire à Jean-René que j'avais été très touché par son courage et la façon dont il avait parlé de l'illettrisme, parce que c'est une façon de nous dire à quel point l'illettrisme n'a rien à voir avec l'intelligence dont il a fait preuve, ni avec l'éloquence dont il a fait preuve également ce soir. Et je trouve que c'est une très grande leçon pour tout le monde. Ça c'est une parenthèse, mais je tenais à la faire. Oui, je crois que... Il est important, encore une fois, de dire que si toute vérité n'est pas bonne à dire, si tout secret n'est pas à dévoiler quand il ne concerne que l'intime absolu, dès qu'il engage la destinée de quelqu'un d'autre, en particulier d'une descendance et de ses enfants, il est important d'en parler. Parce qu'on s'aperçoit de choses assez terrifiantes. Par exemple, le fait qu'une chose non dite est quand même perçue. J'allais presque dire, chacun de nos témoins indique d'une certaine façon qu'il se doutait de quelque chose. Comme si, je le disais tout à l'heure, la vérité cherchait toujours à s'insinuer quelque part et à faire jour. Et à se faire savoir. Alors, en effet, le fait qu'on sache sans savoir peut avoir des conséquences fâcheuses. La conséquence la plus douloureuse, en général, c'est la répétition. Et ça, si c'est quelque chose qu'on peut éviter, on ne peut l'éviter qu'en en parlant, en dénonçant. Parce qu'on a subi d'une génération, on peut être répété sur la génération d'après. Absolument. Ou un secret qui n'a pas été dévoilé à un enfant, celui-ci peut se mettre en quelque sorte en état de répéter ce secret, répéter le contenu de ce secret. Comme un enfant qui deviendrait délinquant parce qu'on... Un exemple. Parce qu'on lui a pas dit que son grand-père avait fait de la prison. Et que ce serait sa façon d'interroger en quelque sorte le secret familial qui a été fait sur ce sujet. Voilà, donc je pense que le secret peut avoir des vertus magnifiques et fédératrices. Après tout, les sociétés secrètes sont construites là-dessus. Une véritable amitié peut être construite sur un secret. Un secret partagé, c'est une chose magnifique qui nous fait nous confier à l'autre. Voilà. Mais le secret peut aussi être venimeux et en effet, je crois que quand il peut engager l'avenir d'un des nôtres ou de nos enfants, il est nécessaire d'avoir le courage de surmonter la honte, la culpabilité, enfin bref, tous ces moteurs habituels du secret pour pouvoir enfin dire à l'autre ce qu'on n'avait pas pu lui dire jusqu'à présent. Merci Philippe Grimbert. Merci beaucoup Philippe. Je voulais dire un petit mot si vous voulez, mais on est vraiment très en retard. Je vous en prie. En fait, dans mon témoignage, j'aurais juste voulu préciser Allez-y. Que... C'est bon, on m'entend ? On vous entend, on vous écoute même. On n'a pas parlé de mon papa. Et je voulais juste souligner que ce n'était pas lui, les attouchements. Ah, bah vous avez bien fait, alors vraiment. Parce que le village où il habite, il y a que des... c'est un village ravitaillé par les corbeaux et que des méchantes personnes alentour. Ravitaillé par les corbeaux, j'avais jamais entendu ça. C'est une expression de chez nous. Ouais. Mais ce n'est pas mon papa. Ce n'est pas lui. Non. Vous avez bien fait de le préciser. Non, et parce que... Virginie, je vous laisse au bout de la fin. C'est dans cette situation aujourd'hui... Mais il y a une notion que j'ai beaucoup appréciée, c'est la notion de transmission. Si moi j'ai voulu savoir, c'est pour que mes enfants sachent. C'est aussi pour eux que j'ai voulu le faire, pour que moi j'ai des racines stables, mais eux aussi. Et c'est une étape. Cette émission, pour moi, c'est une étape dans mon cheminement. J'ai dit sous forme de plaisanterie, pourquoi pas maintenant écrire un livre. Mais la plaisanterie devient peut-être sérieuse et pour continuer à aller mieux, quoi. Mais là où j'ai pas la réponse, c'est... J'ai du mal, pardon. Est-ce que c'est à moi de le dire ? Est-ce que c'est à ma mère ? Et là, j'ai encore pas la réponse. Moi, je me sens plus forte. Moi, je me sens plus forte pour le dire. Mais ouais, mais si elle le fait pas, je fais comment ? Oui, si elle vous tient en otage, si elle vous prend en otage, si elle refuse de le dire. Il faut que vous la souteniez dans ses démarches. C'est peut-être ça dont elle a besoin, de quelqu'un qui la soutienne et qui lui dise que c'est pas de sa faute, qu'il y aura toujours quelqu'un derrière elle. Il faut la conquitter à l'accompagner. Je vous donne un dernier mot à Philippe, parce qu'il y a une position très particulière aujourd'hui, puisque le roman qu'il a écrit et qui a eu tout le succès dont on a parlé, ce DVD qui sort aujourd'hui, qui en est adapté, qui s'appelle Un secret, avec Cécile de France et Patrick Bruel, qui raconte très bien votre histoire. Elle vous est arrivée aussi quand vous êtes petit. Alors c'est un roman, évidemment que c'est un roman, que c'est pas exactement pareil. Mais néanmoins, c'est aussi un peu votre histoire. Mais oui. Donc de tous ces points de vue qui sont les vôtres aujourd'hui, qui vous permettent de nous regarder avec beaucoup de recul ce soir, est-ce que vous avez un conseil formulé ou est-ce que vous pensez que chacun doit trouver la vérité par lui-même ?
Je vous dirai les deux. Chacun doit trouver la vérité par lui-même, mais le conseil est évidemment de l'ordre de libérer une parole. Enfin, j'en sais quelque chose, c'est une expérience que j'ai traversée. Il l'a fait le livre, lui. Et bien sûr, vous vous posiez la question quant à vous de savoir qui devait dire. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même votre mère qui est en première ligne. Donc après, elle le dit, ça vous appartient. Et si après, si elle ne le dit pas, est-ce que... Voilà. Mais je pense qu'entre les lignes, vous, si j'ose dire... S'entendra. Entre les lignes, entre un écrivain et une future écrivain, je pense que vous serez compris entre les lignes. Oui. Un secret, oui. J'insiste sur ce point. Ce n'est pas le secret, ce n'est pas mon secret, c'est un secret. Oui. Car le secret, on l'a compris en écoutant l'histoire de nos invités ce soir, c'est quelque chose qui touche universellement tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir. Pour un prochain Ça se discute, nous recherchons des témoignages. Hommes, femmes, vous êtes devenu anorexique à 25 ans passés. Vous êtes devenu anorexique suite à votre grossesse ou après la ménopause. Votre conjoint, votre père, votre mère est anorexique et vous vous inquiétez. Votre obsession de la jeunesse vous a fait maigrir exagérément. Contactez-nous au 01 53 84 30 55 ou par email